Salut les petits loukoums, j'espère que vous allez bien. Et du coup, coucou Arcanoïde et coucou Gavark. Et ça va très bien Arcanoïde, et j'espère que Gavark, toi ça va. Donc aujourd'hui, on va découvrir ensemble Turnip Boy commits tax evasion. Donc bien sûr, comment frauder le fixe, le fisc, voilà, hein. Prenez exemple. Transformez-vous en petite... je crois que turnip, c'est tulipe, non, un truc comme ça. Transformez-vous... ou navet, non, je crois que c'est navet. Transformez-vous en petit navet et vous n'aurez plus d'impôts à payer, bien sûr. C'est la vie. Alors donc, petit résumé. Alors, je vais vous faire un petit résumé. Ouais, le fist aussi, ouais. Ça, c'est important. Parce que c'est pas forcément très agréable. C'est une bonne... Une bonne leçon, aussi. Alors, hop. Bon, je pense que le résumé, je vous l'ai fait. Mais bon, on va regarder s'il n'y a pas une petite... des petits détails. Alors, donc, c'est sorti il n'y a pas longtemps sur le Game Pass. Par contre, c'est sorti tout court il y a presque un an, le 22 avril 2021. Donc, incarner un adorable navet, frauder le fisc, résolver les énigmes et affronter des créatures terrifiantes dans votre quête pour renverser une administration corrompue. Voilà. Il faudrait mettre le truc comme dans les séries télé et tout. Tout truc qui sera en lien avec les réalités n'est pas voulu. C'est une fiction. Blablabla. Voilà. Hop. Alors. Let's go. On va passer sur le jeu. Ou quoi, Kira? Ah, je vois que ça intéresse. À tout de suite, hein. Quand on parle de pas payer ses impôts, il y a du monde, hein. Coucou, Ribasfati, comment tu vas? Et ça va super, Kira, et toi? Ah, voilà, hein. Alors on va... En fait, le jeu est un prétexte. Ensemble, nous allons remplir notre déclaration d'impôts. Et vous verrez quelle case cocher et ne pas cocher. Allez, let's go. Ah oui, attendez, j'ai pas vu les options... Comme d'habitude, si le son est trop bas, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que c'est bien. Ah, attends. Ouais, c'est peut-être mieux, hein. C'est peut-être mieux, ça, 80%. Mais 42, ou c'est... Ah, c'est horrible, ça. Au boulot, je vais lurker. Ok, bah merci beaucoup pour le lurk, Henri. Et merci d'être passé. Et bon courage pour le taf. J'ai dit que je venais pour cette découverte. Oui, c'est vrai, Akira. Attendez, graphisme, est-ce qu'il y a un truc à régler? C'est de la merde ça, attends. C'est quoi ma résolution? C'est ça, je crois. La meuf qui connaît pas du tout. Je crois que je peux me mettre comme ça, moi. C'est très bien. 1-1, oui. Parfait. Audio, commande. Les commandes, on apprendra, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Eh ben, let's go, hein! Ah oui, par contre, c'est resté en anglais. Donc, vous devez beaucoup de taxes. Ah ouais, c'est genre taxes d'habitation, machin, pour votre greenhouse. Vous avez jusqu'à hier pour le payer. Si vous ne payez pas... D'accord, vous donnez en fait au maire oignon la possession de votre maison, quoi. Donc, en gros, il doit... 100... Alors, je pense que c'est 143 753, hein. On n'est pas le 1er janvier pour la résolution. Au revoir, Gavark. Salut, mon pote. ouais, parce que s'il doit 143 $, c'est pourri, hein, bien sûr. Donc, sincèrement, le gouvernement. Ah, on peut lire ou déchirer. Ah bah voilà, je vous ai fait la traduction sans machin. Un max de blé pour ta serre, t'as jusqu'à hier pour nous payer. Si tu ne paies pas, le maire oignon deviendra propriétaire de la serre. Voilà, montant dû 143 753 $ plus... 50% d'intérêt. Ah ouais, quand même. Ça va, ils sont pas chiés niveau intérêt. Ça existe des trucs où il y a 50% d'intérêt? C'est beaucoup, non? Bah donc, on déchire, hein. Voilà. Révolte. Le maire oignon, tiens. Bah alors, petit navet, te voilà bien embêté. Il se fout de notre gueule, en plus, non? Ouais, la mafia, ouais, c'est ça. Tu n'as pas compris? Tu viens de commettre une fraude fiscale.
Non, c'est pas tout ce qui se passe à la campagne. Bref, tu me dois beaucoup d'argent et puisque tu n'en as pas, tu vas devenir mon assistant. Pour commencer, prends le chemin cheminant pour atteindre l'étable étonnante. Je veux y installer ma mairie, mais l'endroit est envahi par les animaux. Ramène-moi un sac d'engrais pour me prouver que tu as accompli ta tâche, ou tu vas pourrir plus vite que prévu. Là, ils font des menaces en plus en mode légumes et tout, quoi. Genre tu vas pourrir. Je sais plus où il a dit d'aller. C'est super, hein. La maison du vieux Zest, on peut trouver un arrosoir très pratique. Non, je ramasse ça, moi. Le vieux Zest l'utilisait pour faire pousser ses plantes. Ah, on peut aller plus vite comme ça. Ok. Ah, ok. Mais c'est que des petits potes, ça. Bonjour, il fait beau, non? Le temps est aussi radieux que la petite fraise en bas de la rue. Elle échoue. Au fait, tu peux arroser cette plante pour moi? J'ai plus d'eau et j'aimerais offrir une fleur à la petite fraise. Mais lui, il est quoi? Pas tout ce que c'est. Il me donne des sous, du coup? Est-ce qu'on peut rembourser notre dette comme ça? Est-ce qu'on nous donne de l'argent? Bonjour, il fait beau, non? Le temps est aussi radieux. Ouais, mais c'est bon, tu l'as déjà dit, en fait. Mais je l'ai fait! Ah, mais en fait, j'arrose la plante? Ah, j'ai... Un cadeau de la fleuriste pour une fraise. Il faut que j'aille lui donner? Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Et la petite fraise? Ah, petit navet. Merci pour la fleur, mais... Je te considère comme un ami, hein, désolé. Ah, ça ne vient pas de toi? Oh, béni soient les champis. V'là le vent qu'on s'est pris. La fleuriste voulait m'offrir cette fleur? Tu peux lui donner cette lettre de ma part? Alors, il y a écrit quoi? Oh, on peut déchirer, mais c'est affreux, ça se fait pas. Friendzoné, mais grave. Du coup, le son, c'est bon? Est-ce que c'est assez fort, mais est-ce que vous m'entendez quand même? Allô, allô, 1, 2. Lire. Cher fleuriste, merci pour la jolie fleur. Est-ce que tu voudrais sortir avec moi? Un jour, on pourra se marier et payer nos impôts ensemble. J'aime la petite phrase, genre, ouais, nous, on paye nos impôts. Bisous, fraise. Bisous. J'ai envie de déchirer parce que t'es une connasse en fait. Ah mais on déchire en fait, nous on est plein de gaz. Je peux rien faire d'autre hein. Oh, mais ça se fait grave pas. Parce que je crois que je pouvais pas partir hein. Je peux pas faire autre chose. Tu lui as donné? Merci, voilà pour toi. Ah, j'ai un chapeau de paille. Trop bien. Eh, hey, tu peux voir tes chapeaux dans le menu pause. Ok. Peut-être que j'aurais dû lui donner la lettre. Je sais pas. Document à déchirer. Ah non, c'est trop drôle. D'accord. Ah, et ce document-là, du coup, était lui aussi déchiré. C'est génial. Oh purée, putain, il y a une liste. Chapeau de paille. Vas-y, on va le mettre. Non, on le met direct. Ah, on est classe. Attends. Il y a lui, là. Il est vieux, lui, non? C'est quoi? Ah, c'est un citron. Ah, vieux zeste. Salut, la jeunesse. T'as pas vu mon arrosoir? Ma vue n'est plus ce qu'elle était et ça fait des jours que je l'ai perdu. Cet arrosoir est très précieux pour moi. J'espère que personne ne me l'a volé. C'est la seule chose qui me reste de ma chère épouse. Ça marche, Gavark. Merci d'être passé, des bisous. Puis à bientôt. Et bonne journée. Le navet, c'est la vie. Ouais, donc lui, c'est mort. Hein. On a piqué son truc sans explication. Ok. Ah oui, il y avait lui, tiens. Coucou. Je suis une myrtille. T'es un navet. Au revoir. Ah! Elle était trop pressée. Très belle vanne, Henri. Ah, c'est un chat. On dirait un chat... chat pastèque, chat tomate ou chat tout court. Mini miaou. Maxi miaou. Kikou. T'as vu mes petites pommes chapi? Elles sont trop mignonnes. Ma petite pomme rouge s'est enfuie. Si tu pouvais me la ramener, ça serait miaoutifique. D'accord? Attends, il y a ça aussi. Depuis que ce taré de mère oignon a pris le pouvoir, c'est le bazar. Je veux dire, regarde-moi l'état de ce chemin. Il faudrait une épée pour se tailler un chemin. Mais il paraît qu'on peut en trouver dans les bois de la baston. Ah, les bois de la baston. Attendez, je vais juste faire un truc. Là, ça... mettre là, c'est un petit peu moins fort. C'est qui ça? Tat, qu'est-ce que tu veux? Écoute-moi, je vais piller les pourris qui sont au cimetière. Je dois me concentrer. Et tu m'as l'air du genre pénible. Dégage, gamin. Il va piller des tombes.
Ah ouais, on est quand même sur quelqu'un. Ah, il faut que j'aille au chemin de la baston. Ah, chapeau DLC. J'ai poireauté pendant des mois pour le DLC. Tout ça pour avoir ce chapeau ridicule. cimetière. Ah, c'est à l'est, ok. Même parce qu'il y a les mecs, là. On dirait un groupe, là. Pardon, jeune rue Tabaga. Ne traîne pas dans le coin. C'est une opération des CRS. On doit sécuriser la zone. Et fais pas le malin, on te surveille. Purée. On va aller là, du coup. Hein. On est obligé. Attention aux escargots, ils sont végétariens. Pardon. Il faut leur... Je peux les arroser? Attends, j'arrose un escargot. Ça marche pas. Hein. Et si... Où ça? Oui, ça me blesse. Ah oui, c'est vrai que j'ai des petits cœurs. C'est un peu la merde, là. Attendez. On va essayer de passer comme ça. Pour comme ça. Ok, alors lui. Mec, tu vas jamais me croire. Jerry squatte chez moi depuis une semaine et il ne m'a pas donné un centime pour le loyer, wesh. On est potes, tu vois, mais je ne parle pas l'escargot. Attends, son pote, c'est un escargot. J'ai le seum, mec. C'est très bien traduit, j'aime beaucoup. Bah du coup, faut lui parler, non? Ah non, peut-être pas, non? Non, faut qu'on récupère l'épée. Mais attends, ça veut dire qu'on va tuer son pote, là. Est-ce que c'est une bonne manière de... traiter les conflits? De donner des coups d'épée à ses amis? Épée d'épandage droit devant, n'oublie pas ton arrosoir. Ah, trop bien, ok. Qu'est-ce qu'il a, lui? Carotte. Zut de flûte! J'ai perdu le bébé! On m'a demandé de surveiller une petite carotte, alors je l'ai coincée sous mon tabouret, mais il a réussi à se sauver. Peut-être que j'aurais dû mettre le tabouret sur la tête. Bref, tu veux bien garder la paupière ouverte? Quoi? C'est pas ça qu'on dit? Oh putain. C'est quoi? Wanted for tax evasion. Ouais, très bien. Lire. Donc recherché pour faute fiscale, récompense 1$. Ah ouais, les gars sont extrêmement pingres. Bon, on va déchirer. Hop, un doc de plus. Et il y a une petite cave là. Comment on fait pour y aller? Y aller? C'est déjà rose. Ça ne marche pas, bien sûr. Là, je peux pas passer. Ah oui, ok. Oula. On va essayer de pas se refaire toucher, ça serait dommage. Ah, attends, il y a lui. Salut, petit navet. J'explore la région et je fais des fouilles dans la forêt. J'ai trouvé quelque chose d'épatant. Au nord d'ici pousse une incroyable planticus coupe-coupous. Tu devrais aller jeter un œil. Ah, mais attends, il m'a dit au nord, après au sud. Je sais plus où aller, moi. Ah, c'est tout calme. Cette plante est assoiffée, que quelqu'un l'arrose. Ah, pour ça qu'il disait, n'oubliez pas votre arrosoir par rapport aux épées. Merde, attendez. Je peux... Ah oui, je peux pas lire, c'est vrai que c'est apparu direct. Je me trompe de touche souvent, hein, comme vous pouvez le voir. C'est tout? C'est dangereux de pousser seul. Prends ça. Épée d'épandage. Oh, trop bien. Ah, et tac, du coup. Ah, on peut péter les... Ouais, alors ça va prendre très longtemps, je pense, hein. C'est peut-être pas le meilleur délire. Ok. Ah, je peux leur donner des coups. Les pauvres. Oh, j'ai récupéré un cœur. Et il a roté. Attends, il a roté en prenant le cœur. The fuck. Ah, oh, c'est trop drôle. Chitine masque. Enfin, c'est affreux, mais c'est drôle. Ok. Attendez. Ah, mais mince. Salut mec, t'as une bombe de peinture? Ça me démange de dégrader un bien public, tu vois. Non. Ah, je peux pas casser ça. Ok, alors on va revenir. Bah, on va du coup tuer l'escargot qui est chez l'autre, là. Pour l'aider, mais sauf qu'on tue son pote, quoi. Ah, il y a des sous. Argent pour le loyer, trop bien. Oh, Jerry allait payer sa part du loyer. Allez, salaud. Donc on l'a tué, l'autre il s'en plaignait, alors qu'en fait il avait les sous sur lui, quoi. C'est trop triste. Bon, on va lui donner. Mec, t'as tué Jerry? Mais pourquoi t'as fait ça? Oh, il avait préparé de l'oseille pour le loyer? Ah bah, cool. C'est horrible, mais oui. Attends, on est sur un truc hyper mignon, sous prétexte de faire un truc mignon, c'est absolument affreux. Bah, puisqu'il est raide, tiens, garde ce chèque, non mais... Ah bah oui, vu qu'il est mort, on s'en fout. Ah, c'est horrible. Ah, il me donne 1$. Ok, d'accord, il y a 25 en taxes, putain, 25 centimes. Sorry, dude.
Ok. Note des os si t'es mort. Ça se fait abs. Bâtard. Émetteur Jerry l'escargot, quoi. Allez hop, un truc de plus déchiré. Mais c'est complètement horrible. Et si on tue tous les escargots? Moi, je pense qu'il y a peut-être un truc à faire, non? Attendez, je vais tous les tuer. Je sais pas s'ils réapparaissent, tiens. Parce que là, par exemple, Jerry ne réapparaît pas. Donc, est-ce qu'ils réapparaissent tous? Ah oui, je crois. Parce que je crois que celui là-haut, j'avais tué déjà. Ouais. Ah, mais attends, parce qu'on cherche une petite carotte. Donc, soit elle est de l'autre côté. Ou c'est peut-être un escargot qui l'a bouffé, hein. Ben ouais, est-ce qu'il nous loot pas la petite carotte? Ah, ça sentait, hein. Est-ce que ça repop, alors? Ouais, il repop. C'est pas grave, ça n'empêche pas de les tuer. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un succès, genre vous avez tué tant d'escargots. Ok, donc on a notre épée. On a notre épée... Ah ouais, lui nous a donné une mission, j'ai oublié ce que c'était. Attendez. Prends le chemin cheminant pour atteindre l'étable étonnante. D'accord, le chemin cheminant. Ah, c'est à l'ouest. Bah, c'est là. Mais du coup, faut qu'on fasse ça. Nickel. Chemin cheminant. Oh, c'est une carotte, ça, encore. T'as besoin d'une coupe de fan en toute urgence. Je suis le grand Edgar, le meilleur coiffeur de Bourg-Pot-au-Feu. Un de mes clients veut que moi, le grand Edgar, je lui teigne les feuilles. Mais j'ai pas de teinture. Je dois m'occuper de ce client avant de pouvoir tailler tes fans, minable. Reviens plus tard. Ok. Donc, on va essayer de choper une teinture. Je viens d'acheter ce petit champ. Il est pas très spacieux et tellement cher. J'espère l'exposition plein sud va me sucrer la pulpe quand même. Pas du tout ce qu'il a dit. Oh, ça se trouve, la carotte, elle était cachée dans les herbes. Ah ouais, du coup, c'est peut-être la merde. Tant pis, on y retournera. Oh, bonjour. T'aimerais investir dans l'immobilier ? Navet, pardon. J'espère que tu retrouveras ta serre très rapidement. J'ai beaucoup de travail en ce moment car le maire Oignon veut augmenter la taxe d'habitation. Il faut toujours que je recherche d'autres clients. Ah, crois-moi, tu veux pas aller par là. Il s'y passe de drôles de choses. Fais-moi confiance, gamin. Ok, qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai envie d'y aller, du coup. Ah, il vend des trucs, lui, non? Bienvenue chez Passage Souterrain, le roi du sandwich niveau 3. Qu'est-ce que je vous sers? Oh, tu ne veux rien? Évidemment. C'est la crise, je ne sais pas quoi faire. Peut-être que si un influenceur voulait bien faire un placement de produit, ça me sauverait. Le pauvre. Et là, il va dire faut pas passer par là non plus. Hé, hey, gamin, c'est accès interdit ici. Reviens quand t'auras fini le jeu. C'est ce que le boss nous a dit. Moi non plus, je sais vraiment pas ce que ça veut dire. Oh, trop bien. Donc si on a fini le jeu, on pourra retourner là. Ok. C'est là qu'il voulait qu'on aille, je crois. Hein. Les pauses café, il y a que ça de vrai. Hein. Ok, ça a l'air de bosser dur. Hé, hey, gamin, c'est un chantier ici, Phil. Moi, je ne travaille pas. Bah, je prends ma pause. Travaille ici, gamin. Voilà des documents qui le prouvent. Ah, on pourra le déchirer, trop bien. Alors, formulaire 2023. Eh oui, bonne pause café. D'ailleurs, il faut que je boive mon café aussi, tiens. Voilà. Il nous le rappelle à tous. Mais il est encore un peu trop chaud. Revenu d'hiver, nom, adresse, ville, état, vie sur les pelouses, le maire Oignon, maison de Petit Navet, ferme des Rigsby, New York, j'aime les pelouses. Débiteur, adresse, ville, état 1, betterave de chantier, ferme des Rigsby, New York, elles aiment les pelouses, imposable, grave. C'est bizarre. Ok. Et hop, ça se déchire, ça. On recherche des exterminateurs pour se débarrasser du bétail, c'est affreux. Ah, il y a une coupe là-bas. Eh, hey, salut Navet, salut. J'ai des problèmes de mémoire à court terme. J'aimerais aller à Bourg-Pot-au-Feu. Dis-moi où je me trouve. Oh, merci. Chez où je suis maintenant. Il faut toujours récompenser les joueurs. J'ai trouvé ça trop fait. Mais c'est trop bien. Alors ouais, faut qu'on aille dans la baraque. Étable étonnante. Voilà, c'est là qu'il m'a dit d'aller. Et il fallait... pas mettre de l'engrais ou un truc comme ça. Salut les fritos, je suis l'assistante du maire Oignon. Tu peux m'appeler par mon pseudo, Reine du 9-3. C'est génial. Attendez, il y a un problème là. Comment... Oh non, je vais faire de la merde. Faudrait que je prenne des screens en fait. Attendez.
Je ne sais plus comment on prend des screens sur Xbox, donc je vais faire à l'ancienne. C'est exceptionnel. C'est magnifique. Bien sûr, je n'ai pas pris le bon logiciel. Ça me fait plaisir. Hop. Voilà, nickel. Parfait. Le bouton, lequel? Attends, j'ai essayé les deux. Ah, c'est ça? Pas du tout. Alors par contre, je suis sur PC, mais avec la manette Xbox et l'application Xbox. Je ne sais pas comment faire. Est-ce que là, j'ai pris un screen? Non? Je sais pas ce que je fais. Dans le doute, je le fais à l'ancienne. La reine du 9-3. Ouais, mais c'est pas grave. Hein. Là, tu vois, j'ai déjà pris mon screen, c'était bon. Je suis la meilleure joueuse de League of Lanty de Bourg-Pot-au-Feu. Je te dirais bien de t'abonner à ma chaîne, mais je ne poste plus rien depuis que les cochons font trop de bruit. Oh, tu veux rentrer dans l'étable étonnante? Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je ne laisse entrer que ceux qui m'offrent un sandwich niveau 3. Je ne peux te laisser entrer comme ça. N'oublie pas de me laisser un pouce en l'air. À l'ancienne, ouais, c'est ça. Comme ça, toi, très rapide, le temps que je remplisse tout l'appareil, que j'aille en librairie. Putain, est-ce que maintenant il y a. Tu peux toujours faire développer des photos avec un jetable? Et tu vas où? En grande surface, peut-être, ouais. Ah, je sais pas du tout, tiens. Le temps de les réceptionner, après de les scanner, pour ensuite les mettre sur Twitter. Oh, c'est l'histoire de 2-3 semaines, quoi. Alors, bah, il faut que j'en achète un, du coup. Reine du 9-3 veut un sandwich niveau 3. Tiens, je te l'offre. Je veux juste qu'elle le mange pendant un live en échange. Un sandwich pour la reine du 9-3. Oui, excellent, quoi, j'adore. Eh ben, on va regarder, attends. Je me refais un screen. Et hop. On va regarder sur Internet. Est-ce que on peut toujours acheter des appareils photo jetables? Tiens. Ouais, jetables. Putain, oui, tu peux toujours en acheter, hein. Allez, Kodak. À l'ancienne. Purée, tu peux acheter du vintage aussi. Il y a du vintage sur Etsy. Mais attends, tu les développes où du coup? Ah bah à la Fnac, je pense. Au truc, ouais, ça doit être à la Fnac et tout, ah si, si, ça se vend encore, hein. Faites un saut. Eh, quand même, c'est comme ça qu'ils mettent, hein. Faites un saut dans le passé. C'est genre, elle est yeuve. Vous vous souvenez de ça? Non, mais. Attends, mais faites un saut dans le passé, quoi. Eh, ça vaut cher, n'empêche, là. Ça vaut 20 balles. 40 euros, il y en a deux. Bon, après, j'avoue, par contre, pour de l'étanche, ça peut être pas mal. Putain, ça vaut 20 balles, quoi. Ok, ça existe toujours. Regarde, cette touche vintage apportera de l'esthétique à votre soirée d'anniversaire ou à votre mariage. Mettez les appareils photo instantanés. Ah bah oui, toujours impatient pour le développement. Bah oui, tu m'étonnes, oui. Oui, ça doit être très long, hein. Alors. Non, après, par contre, c'est vrai que c'est une bonne idée, je trouve, pour un mariage, c'est pas mal. Tu sais, t'as des tables d'invités, puis tu mets chacun un appareil jetable ou autre, et ça te permet d'avoir des photos hyper intéressantes, je pense. Bon, bah, du coup, on a le sandwich. J'ai un autre screen à prendre tout à l'heure. Oh, petit navet, merci pour le sandwich niveau 3. En me faisant ce cadeau, tu débloques le palier qui te permet de rentrer à l'étable étonnante, et je t'offre un autographe. Voilà, maintenant j'espère que quelqu'un va faire taire ces satanés cochons. J'ai hâte de reprendre mes lives. Excellent. Merci pour le sandwich niveau 3. Donc, mais en fait, ils ont mis le sub. Le tier 3 sub. Excellent. La prochaine fois, n'oublie pas de payer tes impôts. Big bisous, bien baveux. Reine du 9-3. Non mais. C'est génial. Ah, faut que j'arrose, je crois. Attendez. Yes. Non, il n'y a pas ça. Je ne dois pas arroser. Pas du tout.
Attention, boum boum active, arroser la deux fois à vos risques et périls. Ah. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Parce que sub, ouais, voilà, tu sais, t'as les sandwich sub, ouais, je pense que c'est ça. Et en même temps, le truc sur, sur Twitch. Mais du coup, en français, c'est un peu dommage, j'ai juste mis sandwich, donc tu comprends pas, quoi. Si tu comprends, si tu sais pas lire l'anglais et que tu lis le truc, bah, tu le lis en français, tu piges rien. Non ? Pourquoi il va vers moi, là ? Putain, j'ai pas ça. Attends, attends, attends. Bisous. Je peux faire un truc avec la coupe ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ok. Allez, let's go. Et dégage, toi. Ok. Bah du coup, ouais, on monte. Oh ! Bot boum boum, tu peux maintenant shooter dans les boum boum. Cours vers elle pour les faire voler. Ah ! Ça nous permet d'ouvrir les portes de l'autre côté. Voter pour le maire oignon. Voter pour... Non mais le mec, dans son étable, il met ça. Mais c'est pas ses moutons qui vont voter pour lui, quoi. Ah ! Comment faire ses impôts ? Comment remplir sa déclaration ? C'est tout. Bon, on déchire. Le mec, il a déchiré un livre comme ça, quoi. Easy. Attends, on va aller à droite. Ah ouais, je peux shooter dedans, c'est vrai. Alors, attends. Ah non, mais il faut que j'arrose d'abord. Pourquoi je sens... Ah oui, attends. Ah oui, c'est mieux pour changer. Shoot. Où est-ce qu'elles sont les chaussures? Attends, mais il m'a dit que je pouvais shooter dedans. Ah, mais je suis con. Bah. Je peux pas mettre les... Ah, mais attends, les chaussures, je les ai tout le temps. Ah, mais purée, faut que je fasse ça. Non, c'est pas ça. Eh, hey, petit navet, je prends une pause. Il y a un cochon qui m'a mis un coup en plein tubercule. T'en fais pas, je vais bien. J'espère juste que quelqu'un va nous en débarrasser. J'ai entendu dire qu'on pouvait shooter dans les boum boum avec des bottes spéciales. Faut les faire pousser un peu et bim. Oui, mais alors attendez, parce que moi, faut que je comprenne la vie. Hein. Mais comment? Les carottes sont cuites. En fait, je voulais shooter. Je voulais faire... Ah putain, faut que je fasse ça. Alors attends. Oh non! Hop! Merde! Ah mais j'avais plus le bouton. C'est toujours mon problème ça. C'est très compliqué d'avoir les boutons en tête. Attends, ça j'y étais allée. Attends. Hey, ah ouais mais c'est... Ah mais tu vois, attends. Le problème c'est que je lui parle à lui, je m'en fous en fait. Oui je veux bien pouvoir shooter mais... Parce qu'il faut que je le mette près de la porte. Alors, attends. Je change de truc. Yeah! Nickel. Ah, tu vois, j'aurais mis deux fois, donc du coup, ouais. Merci, Yuri. Ah, il y a la clé. Alors, attends. Et bam! Merci. Et il rote, là. Non. Il faut que je la mette en bas aussi, après. Et bam! Ah, je reviens là. Ok. Celle-là, ça va être très compliqué par contre de shooter dedans. Ah, ça va être compliqué là, non? Ah bah super! Ah mais non, c'est avec la clé ça. Je sais pas comment passer par là. Bon, après, comme j'entends des cochons de l'autre côté, je cherche pas non plus comment faire. J'avoue. Tu Dieu, cet endroit est une vraie décharge. Je comprends bien qu'il nous faut une mairie, mais pourquoi est-ce qu'on doit la faire ici? J'avoue que c'est un choix un peu problématique, ça. Comment tu veux que je fasse... Ah, ok, 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 ok. En fait, je shoot dedans et je me fais éclataxe, quoi. Mais attends, tout à l'heure, j'avais pas ça. Je me faisais pas éclater tout à l'heure.
bizarre. Ah oui, mais parce que je reste trop près, en fait. Putain, elle lui empêche le... L'explosion, là, le champ d'explosion, il est... Oh, putain! Oh non! Mais même les... Non! Mais même les poules me veulent du mal! Adieu à la poule! Viens là, toi! Eh, t'es coincé, hein? Feinte. Feinte. Oh! Ah, j'aurais peut-être dû le faire péter, avec les bombes. Tant pis! Ah, attends, celui-là, il y a ça? Mais comment tu veux que je mette la bombe là? Parabailar, la bomba. Ah! C'est tout un dédale. Ok, d'accord. Ah ouais, mais je vais me faire exploser, non? Attendez. Ok. Pour ensuite faire... Ok. Pour ensuite faire... Nickel. Et là... Parfait. Non, ça marchera pas, ça. Je me suis fait mal. Coucou. On a trop l'impression que l'euro vient de la stream. Ouais, en fait, j'ai joué à un jeu juste pour pouvoir roter. Je rote en paix et je fais croire que c'est le psy. Enfin, les secours. Je savais que les gars ne m'abandonneraient pas. Je suis coincée ici depuis 3 jours sans boire ni manger. Sans pause café. Merci, gamin. Attention, hein, y a des cochons dangereux de l'autre côté. Jackno, comment ça va? Bah, ça va et toi? Oh là! Roi des cochons. Il a mangé un peu trop d'engrais. Je rote en paix. Ouais. Oula, putain! Purée, faut que j'arrive à faire des trucs comme ça, moi. Je suis nulle. Ça lui a même pas fait mal. Hop. Yes. Pas bien. Yeah! Mais quel coup! Yes! C'est quoi? Ah, oh, c'était des petits bouts de... C'était des petits bouts de bacon! Merci, merci Henri. Ah mais c'est ouf! C'est quoi ça? Attends, je peux le prendre? Ah ouais! Wouah! Fruit de cœur, ce fruit te donne un cœur de plus. Trop bien! Oh trop bien, oui! Ok, sinon je peux rien faire. Ah si, y'a là. Je peux pas y aller là? Bah c'était tout, je pense. Hein. Est-ce qu'il nous... Ah! Engrais, ok. Ça fait tout pousser à toute vitesse. Pourquoi est-ce que le maire oignon en voudrait? Mystère. Ah, attends, il y a un livre, on peut peut-être le lire. Yes. Rapport de recherche numéro 1. Il semblerait que ceux qui avalent de l'engrais subissent une croissance accélérée très mystérieuse. Ouh, ok, d'accord. Ah, il y a un truc qui se trame là-dedans aussi. Hein. Enfin, là-dessous. Et hop. Alors, est-ce qu'ils me disent un truc? J'ai besoin de bois et je connais un gars sûr. Tu peux aller m'en chercher? Remonte le chemin cheminant. Il devrait être près de la sandwicherie. Merci, gamin, je te revaudrai ça. D'accord, donc il faudrait aller chercher. Ouais, en fait, je pense que si tu le fais en ligne droite, le jeu, c'est ce qu'ils disent. Ouais, c'est 2 heures. Mais si on... Si on prend le temps de faire les petites quêtes annexes... Il y en a pour 3, quoi. Je sais plus d'où je viens. Merci trop fort, ah oui. C'est toi qui allais me chercher mon sandwich? Merci pour te remercier. Je te couronne roi du 9-3. Roi du 9-3, la classe. Oh, on a une petite couronne. Alors, attendons, on va aller chercher. Il a dit qu'il était à côté de la sandwicherie. C'est lui? Pas du tout. Il a dit près de la sandwicherie.
Non, elle, c'est le nid immobilier. Lui, c'est le coiffeur. Non, là, c'est le champ. Ah, est-ce que ce serait pas là, du coup? Ah! Hé, hey, toi, tu viens de la part de la betterave? Tiens, n'oublie pas, on se connaît pas. Bois? Qu'est-ce que... C'est illégal? Alors, je pense que c'est de la beuh, hein, bien sûr, mais on va dire que c'est du bois. Let's go, on va aller le donner au... Au mec, alors attends, putain, par où il était? Le sens de l'orientation, non, c'était pas lui. C'était lui, non? Mais c'était pas lui. Attends. Pourquoi est-ce que le maire Oignon fait campagne? C'est le seul à se présenter. Ah, j'avoue, c'est pas faux. Hein. Weedwood, ah bah ouais, exact. Ah, tu vois, c'est des jeux de mots, ça marche beaucoup mieux en anglais, là, pour le coup. Merde, il est où, l'autre, là? Oh là là, attendez. Attends. Je refais les mêmes conneries, là, non? Ah, c'était lui, non? Cet endroit, c'est n'importe quoi. Béni soit les champis, t'as fait tout le boulot à notre place. Ok, donc c'était pas lui. Ah, c'était lui. Merci, gamin. Tiens, prends ce casque, on en a plein. La sécurité avant tout. Casque de chantier. Bah, c'est parfait. Du coup, je sais pas si les autres ont des quêtes et je vous avoue qu'étant donné que le sens de l'orientation est pourri... j'ai la flemme de me promener, en fait, et de me perdre. Coucou, Freebird, comment tu vas? C'est qui, déjà? Ah, bon, alors, certainement un mec qui a fraudé. Est-ce que tu as plus de détails? Son nom me dit quelque chose, mais je me remets pas de la... Je retrouve pas l'affaire. Qu'est-ce que cette cou... Ah, est-ce que cette couronne te plaît? Je les offrais à mes abonnés, mais les cochons m'ont volé tout mon stock. Bon, bah, elle est bien, la couronne. Hop. Chemin cheminant. Bah, c'était bon. Alors, attendez, parce que par contre, fallait retrouver une petite carotte. Faudrait qu'on aille là, même s'ils nous l'ont pas dit. Il y a peut-être moyen... Ta maman t'a jamais dit de jamais parler aux étrangers? Bah, c'est pas cool de me parler comme ça. Attendons, on va s'amuser à tout faire péter. Il y a certainement une... Il y a certainement une raison. Enfin, une utilité. Hop. Ok, du coup, on va faire ça, ça. Parfait. Ça, ça. Ah, et ça, ça. Ouais! Plus de cœur. Ah, bah voilà, un cœur de plus. Bah, c'est parfait. Pas trop bien. Un gars lunaire. Un proche de Macron, député LRM qui a annoncé qu'il se présentera pas très accueil. Ah, c'est lui, purée. C'est lui, ok. Ah ouais, et entre autres, il a un truc fiscal. Ouais, j'avoue, hein. Et encore, je crois, il y a une semaine, c'était 12. Donc, du coup, plus on avance, plus le mec en a. Peut-être qu'à la fin de l'année, il en aura 50, hein. Comme les semaines. Attends, il faut qu'on utilise ça. Ouais, pff. Oh là là. Ouais, mais tu comprends, c'est une phobie administrative, c'est très compliqué de remplir les impôts. Et du coup, bah, la phobie, quoi. Bam. Alors, on a fait ce que tu nous as dit. Ravi de savoir que ces animaux ne sont plus un problème. Cet engrais me sera très utile. Bien, maintenant, cher assistant, j'ai besoin d'une fourche à quatre dents. Avant, on appelait ça une fourchette. Les assistants ne posent pas de questions. On dit qu'il y en a dans la ferme fantôme. C'est au sud d'ici. On raconte que cet endroit est plein de sucreries moisies. Arrête de râler et va me chercher ma fourchette. Oh. Alors, attendez. Hop. Ok, alors let's go. Let's go. Ah, mais attends, c'est pas... C'est le cimetière, du coup, non? Cimetière Crignos.
Peut-être là. Ouais, c'est ça, je vais piller les pourris. Ah, j'ai pas le droit. Attends, il doit y avoir un truc. Attends, on va lui reparler pour voir si c'est bien là qu'on doit aller. Une ferme fantôme. Ah, c'est au sud, j'ai rien dit. Ah, mais au sud, il y avait les mecs qui faisaient chier là, non? Ils y sont plus? Ah ouais, ils sont partis. Le jeu est bien. En tout cas, son titre intrigue. Et les graphismes sont mis... Franchement, il est super cool. Il y a des bonnes vannes. Après, c'est vrai que c'est dommage. Les jeux de mots sont plus... compréhensibles, on va dire, en anglais. En français, c'est drôle, mais c'est... Bah, c'est un peu moins marrant, quoi. C'est moins... T'as moins de jeux de mots qu'est là, on va dire. Donc, mais sinon, ça, c'est super cool. Ils ont quand même fait un super effort de traduction, je trouve. On aime apprendre de nouvelles danses pour les poster sur TikTok. Des fois, on fait du karaoké aussi. Ah, d'accord. Qui ça? Ah, la pastèque! Madame Patek. Bonjour, je suis l'institutrice, ravie de te rencontrer. Je peux pas bavarder avec toi, je dois surveiller les élèves. Nous faisons une sortie scolaire. Cet endroit est incroyable. Il y a une grotte très intéressante que je vais montrer aux enfants. Ouf, alors en général, les grottes, ça pue. Je sais pas si ça vaut le coup de péter les petits bidules. Ah, mais attendez. Deux choses importantes. La première, c'est que le premier endroit où on est allé, il faut absolument que je check tous les petits trucs d'herbe parce qu'il manquait une carotte. Il y avait une toute petite carotte qui avait disparu, alors je sais pas si on va la retrouver ici. Mais je me dis, dans le doute, autant vérifier. C'est quoi ça? Elle est pas là. Elle était de l'autre côté, je crois. Ouais, voilà, c'est là qu'on nous en parle. Bon, après, si elle est dans l'herbe, on la tue. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que... Bon, on l'aura retrouvée, même si elle est morte, quoi. Ah, il y a un truc là aussi, là. C'est important, ça. Mais peut-être que c'est en allant dans la grotte. Et à un moment, on va... On va ressortir par là, peut-être. Ouais, à voir. La carotte, elle est là. Je pense pas qu'ils aient fait ça, mais je me dis, on sait jamais. Tac, ok. Après, voilà, pour le jeu, les ennemis, ils sont assez simples. Hein. C'est un truc, c'est hyper basique. Alors, attendez. Les screens à l'ancienne, bien sûr. Hop. Et... Voilà. Nickel. Alors, on est reparti. Lui, il voulait de la teinture, on n'en a pas. Donc, de toute façon, la teinture, on n'en a pas. Et la petite carotte, on la trouve pas. Donc, on va continuer dans la petite zone désertique. Hop. Tout. Hop. Let's go. Colline en caillou. Voilà, du coup... Alors... J'ai dabé sans le faire exprès dans le téléphone de Sana pendant qu'on se filmait pour faire un tic-tac. Et il est tombé de la falaise. Oups. Ah bah oui, mais ça se fait pas, non, la pauvre. Cette journée est horrible. Mon téléphone est tombé de la falaise. Je sais pas quoi faire. Bah je vais te le chercher, non? Est-ce que je peux sauter, moi? Ah pas du tout. Attendez. Ah oui, non, je peux pas du tout. C'est problématique, ça. On dit que le Clément Toutou disparaîtra quand le jeu sera fini. Personne ne sait ce que ça veut dire. Ils nous ont mis encore un autre endroit où aller quand le jeu est fini. Bouf. Ok, d'accord. Il est content. On a testé le coup d'épée dans le chien. Bien sûr, ça ne marche pas. Et heureusement. Ouh. Salut, fier aventurier. Je vais très bien, merci de me le demander. J'observe les escargots. Je suis l'escargologue du coin. C'est une espèce en voie de disparition. Nous, les fruits et les légumes, nous devons tout faire pour les protéger et préserver notre écosystème. Il y a un côté Pokémon... Ouais, c'est ça. Bon, avec un peu d'humour, machin et tout, quoi. J'avoue que je suis pas... Je sais pas si vous avez joué au Pokémon. Je suis pas très fan des Pokémon. Après, je sais pas, ça se trouve, c'est drôle. Hein. Mais on va dire que le petit côté, là, me parle un peu plus. Ah, il y a un poisson. Est-ce qu'on peut l'attaquer? Et bam! Je sais pas si j'aurais dû faire ça. Rapport de recherche numéro 2.
J'ignore combien il y a de poissons dans cette mare, car il semblerait que je n'en vois qu'un seul à la fois. Qu'est-ce que c'est que cette recherche? Oh, on peut nager, trop bien. C'est trop mignon. Regardez. Et bam. Alors attendez, est-ce qu'il y avait des trucs par là? Ah, il y a toujours les mecs là qui sont devant. Alors on essaie de rembourser sa dette? Tu devrais t'y mettre. Moi, je cours partout parce que je suis le meilleur, tu vois. Toi aussi, tu y arriveras un jour. Bref, tu peux pas aller par là. On a des choses à faire de notre côté. Comme d'hab. Pas fan non plus Akira, ouais. Après, il en faut pour tous les goûts, mais je sais pas si c'est très... C'est pas très... Enfin, je sais pas que c'est pas linéaire, mais... Je sais pas. Tu sais, est-ce qu'il y a de l'humour? Est-ce que ça bouge et tout, quoi? Bienvenue dans le champ de carottes étranger. Oui, on vit loin de la ville. C'est flippant là-bas. Alors on préfère rester ici. Ah merde, attends, il a dit quoi? On fait notre petite vie. Ok. Ne t'en fais pas, tu ne risques rien ici. Il y a eu des trucs bizarres qui nous a attaqués, mais je m'en suis chargée. De quoi? Bah, je l'ai jeté dans la poubelle. What the fuck? T'as vu ce truc orange? C'était tout petit, on aurait dit moi, mais en tout petit. C'était bizarre, non? Ah, mais c'est la petite carotte! La petite carotte qu'on cherchait, il a dit j'étais dans la poubelle. Elle est où la poubelle? Il paraît que la vue est magnifique là-haut. Dommage que les escaliers soient cassés. Peut-être qu'un tabouret suffira à grimper. Ok, d'accord. Faudrait qu'on en prenne un, je pense. Tu aimes ma collection de cartons? Non, je te jure qu'ils ne sont pas là pour t'empêcher de passer au niveau suivant. Ça serait absurde! Héro, 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 héro! Il chante lui, ok. Bah voilà, petite carotte perdue, la pauvre! Sa nounou doit le chercher partout. On va aller la déposer. Hein. C'était la petite carotte qu'elle cherchait, alors attendez. Ah oui, après on pourra aller à droite, ok. D'abord on va remonter. Comment je peux passer? Ah! Attendez, on va laisser d'aller chercher le téléphone. La nounou, elle est là-bas. Ouh là là! Non! Mais c'est bon! Voilà. Bon, pour une fois, normalement, on a fait une quête sans tuer quelqu'un. Hé, hey, t'as trouvé le bébé! Merci, prends mon tabouret, c'est la seule chose que je possède. Cette fois, il ne s'échappera pas si je le coince dans mes lames. Dans mes lames. Pratique pour prendre de la hauteur, le tabouret. Je pense que cette nouvelle méthode fonctionne bien mieux. Ah bah oui, d'accord, ok. Dans mes fleurs, peut-être. Non, je sais plus ce qu'il avait écrit. J'ai jamais compris. Pokémon, ça a l'air chiant. Bah, en fait, je trouve que le dessin animé était cool. Après, les jeux, j'avoue que je les ai pas vraiment faits. J'ai dû voir des gameplays. Est-ce que j'ai testé un jour? Je pense, mais peut-être à l'ancienne. Après, j'avoue que... Oh, y a un petit côté farm, quoi. Pas fan de farmer. Passer là. Oh purée, non, je peux pas. Y a un petit côté farm, je pense. Et c'est vrai que j'aime pas trop farmer, à part... Genre, un jeu que je vais kiffer, je me dis, bon, ok, là, je farm de fou. Ah, mais non! Ah si, c'est bon, c'est là. Mais à voir, hein, faudrait que j'en teste un jour, quoi. Faudrait que j'en trouve un pas cher aussi, surtout, parce que... Ok, y a un... Oh, purée, des salauds. Je peux pas passer là. Ok. Ok. Sud ferme fantôme. Ah bah oui. Et du coup il faut le tabouret pour... Eh oui, pour monter là. Exact. Megami Tensei, c'est bien mieux que Pokémon. J'ai jamais joué. Je sais que c'est... Je crois que c'est de ces jeux-là que s'inspire Persona, c'est ça? Genre un truc dans un autre univers, mais... Attends, il y a un truc là. Comment on pourrait dire? Comme un spin-off. Voilà. C'est le mot que je cherchais. Ah! Jardiville, plus de verdure. Je pense que c'est ça, hein. Plus d'argent. Ticket de caisse avait été servi par Sébacheur, un sachet graines carottes, un article. Blablabla. Bla, bla. On déchire. C'est ça, voilà, ouais, c'est un spin-off. Bah, Persona, j'ai adoré le 5. J'ai pas joué aux autres, il faudrait. J'ai adoré le 5. Et tu les as fait, du coup, Henri, les Persona? Attends, tac, nickel.
Il va me dire un truc sur le fait que j'ai réparé. En voilà un joli tabouret. Moi, j'ai le vertige, alors passe le premier. Hein. C'est un tabouret. Ah, et tu les as tous faits ? 3, 4, 5, ah bien. Et le 5, tu l'as fait avec la... Merde, comment ça s'appelait ? Je sais plus. Là où ils ont rajouté... tu sais, ils l'ont sorti un an ou deux après, je sais plus. Et ils ont rajouté différents trucs. J'ai oublié le nom. Je l'ai pris, j'ai oublié. Ah, tu l'as fait sur PS3 à la sortie. Ah ouais, bien. Mais il faudrait que je le refasse. Mais ça, c'est un truc, c'est tu passes des heures et des heures et des heures dessus. Hein. C'est ouf. Hein. D'accord, je me suis endormie. C'est trop fort. Mais ouais, en fait, c'était grâce à, bah, grâce à Atomium qui avait montré un petit peu Persona. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien les jeux comme ça. Mais j'aime le tour par tour. Du coup, les Final Fantasy, dès le moment où il n'y a plus de tour par tour, c'était fini. Enfin, j'aime pas du tout, en fait, les combats en temps réel. Et du coup, j'ai vu ce truc-là. Je me suis dit, putain, ça a l'air trop bien. Il y a un truc en tour par tour. Donc, du coup... je me suis jetée dedans et effectivement, ouais, j'ai dû passer, je sais pas, au moins une centaine d'heures dessus, quoi. Mais c'est, ils sont trop bien. Hein. Faudrait que je fasse le 4. Qu'est-ce que tu... Et du coup, tu préfères lequel, toi, sur les... Enfin, sur ceux que t'as fait, 3, 4, 5. Alors, page de journal. Maman et papa m'ont puni parce qu'ils ont trouvé un carreau cassé à la fenêtre. Mais c'est Matt le coupable. Je ne suis pas une balance, mais j'aurais bien aimé qu'ils disent la vérité. Bah oui, tu m'étonnes. Ah là, il y a un truc bloqué. Oh ah non, il me jette des trucs. Ah non, hein. Ah bah, il y en a plus, tiens. Il me jette des bouts de donuts, là. Les petits... je sais pas comment ça s'appelle. Les petits machins, là. Les petits vermicelles. C'est quoi ? Masque. N'oublie pas que ça va aussi sur le nez. Très bonne, celle-là. Quatre, cinq et trois. D'accord. Pour des questions de qualité de vie. Ah, du coup, qu'est-ce que tu préfères dans le 4 par rapport au 5 ? Ah ouais, ouais, non, mais c'est ça, hein, c'est ça, Freebird, c'est ouf. Hein. Mais après, ils sont tellement bien aussi, c'est... Là, par contre, il y a un putain de farm aussi, ouais. Quand tu vas dans le... Dans le... Enfin, dans le 5, quand tu vas dans le métro, là, pour... genre, pour t'entraîner et tout. Ouais. Et encore, j'ai pas amélioré toutes les... Tu sais, t'as des fusions de persona et tout. Enfin, ça, c'est des trucs que j'ai pas fait. Hein. Donc sinon, je pense que j'en ai encore pour plus longtemps. Page de journal, aujourd'hui on est allé voir Matt jouer au baseball. C'était trop bizarre, tout le monde portait des masques et on devait rester à distance. Mais Matt a trop bien joué. D'accord, ils ont inclus le Covid et tout dedans, pas mal. Attends, si je fais ça... Attends, c'est quoi, c'est ça? Ah, il y a un trou. Faut que j'aille. Non. Ah, je sais pas ce que c'est. Ah non, je peux pas y aller. Ah, mais si. Oh, trop bien. Faut que je pousse, comment je pousse? Ah, mais non. Ah là, je suis sur un dilemme, là. Ouais, Baldur's Fallout, ouais, c'est ça, hein. Bon après, et encore, je trouve que ça dure quand même un peu moins longtemps, tu vois. Même s'il a de quoi faire. Hein. J'ai eu l'impression de moins farm. Ah, d'accord. Ah ouais, tu trouves que c'est plus équilibré pour gagner de l'expérience et tout, pour gagner des trucs, ça peut être bien. C'est vrai que le 5, il était un peu lourd par rapport à ça. Hein. Comment je peux faire? Après, peut-être que je vais avoir une solution bientôt. Oula! Il m'a attrapé! What the fuck? Mais comment je fais? Mais essaie de me ramener! Mais casse-toi! Casse-toi! Mais what the fuck, ce monstre? C'est ouf! Ouais, du coup, ça m'aide pas. Ah, il me faut une clé, ok.
Ah non, hein, me redonnez pas des mecs comme ça. Hein. Ah, attendez. Hop. Je peux les taper. Ah non, faut que je lui parle peut-être. Oh les mains, cowboy. Est-ce que tu viens vraiment de franchir notre muraille, les mains dans les poches? J'espère que tu comptes nous dédommager. Rendez-vous au tableau des missions. Il y a des gringos qui ont besoin d'un petit coup de main. Fais pas cette tête, faut bien rembourser ta dette. Rends cette clé pour continuer à explorer le corral et donner un coup de main. Fais attention, il y a du moisi partout. Prends un petit chou et démarre le générateur, d'accord? Ça marche. Je peux les taper? Ah non. Olive gardienne. Pas mal. C'était ouf. Tu dois être le navet qui a percé nos défenses. Nous pouvons avoir ton autographe? Putain. Non mais dis donc, tu vas nous faire 20 pompes pour la peine. Cette porte nous a demandé 2 ans de travaux de fortification, soldat. Comment une bleusaille comme toi a pu la détruire? Bon, on a détruit, c'est tout. Y'a quoi sur le tableau? Oh, mais c'est trop bien! Et on peut tout prendre? On a quoi? Besoin d'aide? Ça vaut besoin de matériel médical? Et pareil. Ah ouais, j'en ai vu un. J'ai vu un antalgique. Ah bon, on a récupéré le masque aussi. Il nous manque que le... Enfin, il nous manque le puzzle et le cachet. Mais le cachet, on l'a vu. Nous avons besoin de matériel médical. Il paraît qu'il y en a dans la maison. Parle à l'infirmière glucose. Il y a réchauffement climatique. Il fait de plus en plus chaud. Le générateur est en panne. Au secours! Parle à Debra, le chef du campement, et cerise perdue, ronde, rouge, regard vide et froid, passe son temps à appeler à l'aide. Parle à Carly, la cerise. C'est excellent! C'est trop drôle! Alors, ah bah elle est là! 2 secondes! Je n'ai regardé ailleurs que 2 secondes et ma petite sœur s'est enfuie. C'est moi l'adulte ici, je m'occupe d'elle depuis que nos parents ont moisi. Et elle est partie? Oh, tu veux bien m'aider? Merci, dépêche-toi, j'ai entendu dire que les cupcakes dévoraient les petites cerises. C'est horrible. On peut parler au feu? Yo yo yo! Allume-moi, tise-moi yo! T'entends? Lève les bras pour DJ Braise. C'est génial. Bonjour mon petit. J'espérais que le nouveau venu soit mon fils, mais ça fait tout de même plaisir de voir un nouveau pédoncule dans le coin. Je ne pense pas pouvoir sortir de la boîte à glace, mais j'espère tout de même revoir mon fiston. J'aimerais bien quitter cette boîte à glace pourrie. Y'a rien à faire ici. Avant, je créais des jeux sur mon ordinateur, mais il n'a pas survécu au froid. Mais bon, j'ai toujours mon vieil échiquier. J'ai des petits glaçons pour faire des pièces, si jamais tu veux jouer. Ah non, je vais pas jouer aux échecs, je suis nul. Hein. C'est hors de question. Hein. S'il y a un truc où il faut que je gagne aux échecs pour arriver à passer un niveau ou faire quelque chose, c'est mort. Hein. Je compte sur vous. Je suis extrêmement nul. Salut mon mignon. J'adore ces belles fans sur ta tête. Trésor, tu peux aller me chercher du matériel? J'ai besoin de pansements, de médicaments et d'un masque. Tu peux t'en charger? Bah du coup, le masque, je l'ai. C'est tout? Ok, faut que j'ai les 3, je pense, pour... Bah oui, le bébé, il fait beu. Bonjour, Manon. Tu es surpris par mon langage, je le conçois fort bien. Ne crains rien, les autres ne sont que d'innocents idiots. C'est horrible. Je compte bien prendre le contrôle de cette boîte à glace, même si c'est la dernière chose que je fais sur cette terre. Diantre, il me faut des jambes pour cela. Et des bras, peut-être. Mais... ah ouais, ils ont chacun une clé, et il va me falloir leur clé, et donc réussir la quête. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est horrible. Gang de la Saumure. Pas mal. Psst, toi. Ouais, toi, à la tête de navet. Et ouais, moi aussi je peux tenir une arme sans les mains, c'est comme ça qu'on se reconnaît entre membres de la mafia. Hé, hey, t'es de la famille de Don Navetino. T'as de la chance qu'on soit là-dedans, on t'aurait moisi direct. Ton daron a essayé de nous piquer notre territoire, il y faisait des réunions dans sa stupide serre. Ouais, ok, donc on parlait de mafia tout à l'heure, bah on y est, hein. Ah, champi. Si seulement nous pouvions garder la porte principale, il se passe plein de trucs cool à la porte principale, genre des gens qui rentrent et tout. Peut-être que nous ne sommes pas doués, donc ils nous ont mis ici à la prison. Nous sommes de bonnes gardiennes, enfin, nous le croyons, ils pourraient nous laisser une chance. Ah putain, on a refait un tour, ok. Alors, j'ai besoin d'un vrai cow-boy pour démarrer le générateur, t'es partant? On moisit à vue d'œil ici. On voudrait bien s'en charger nous-mêmes, mais il y a une pomme chapie toute moisie qui nous barre la route. On ne sait pas d'où elle sort. Ah, mais j'ai vu, il y avait des ennemis et tout là. Mais ouais, c'est une mafieuse. Nous, en fait, on est tous des mafieux. Putain, j'en peux plus de ces gens. Non, mais... C'est infernal, ce truc qui m'attrape par la gueule, là.
Donc attendez, parce qu'il doit y avoir une solution. Ah, ok, j'ai pris ça. Le couvercle a une sécurité enfant. Ah, moi j'ai un problème, c'est que des fois les sécurités enfants avec moi ça résiste. Voilà, c'est cool hein. Cette force pourrie. Mais ouais, mais il faut que je pousse ça, mais je sais pas comment. Voilà, il y a ça. C'est ça, ça marche très bien. Non, le pire, c'est sur les... En fait, en vrai, ça va, j'arrive à voir les trucs. Mais le pire, c'est sur les... Vous savez, le produit qu'on met quand il y a un évier bouché ou autre. Bah ça, par contre, faut vraiment que je m'appuie bien et que je tourne bien le truc. Sinon, c'est infernal, j'arrive pas à l'ouvrir. Hein. Est-ce que je peux foncer? Ah, mais non, attendez, je crois que je sais. Pas du tout. Je crois, je sais pas. Mais non! Mais pourquoi ils disent on peut... Dégue en fait là. Pourquoi on peut pas la pousser en fait? Ou il y a un truc que j'ai pas compris? En plus ils montent des directions dessus. Ouais je suis grave dégue, tant pis. Hein. Bah la pousser avant... Attends. Non, je peux... Tu sais, je passe dessus, en fait. Sinon, je passe dessus. Donc, c'est relou. Je sais pas. Tant pis. Peut-être que c'est pas là qu'on doit aller à la base, tu vois. Peut-être qu'on aura un pouvoir, un truc. On verra. Sinon, on s'acharnera tout à l'heure. Oh non! Non! Ouais, j'ai raté. Yeah! Non, mais il y a des trucs, là. Comment je peux faire? Pas du tout. Ah, je sais. Faut faire ça, ça et ça. Et bam. Nickel. Un petit bandage adhésif, le pansement. Arroser une fois, puis la pousser. Bah ouais, mais c'est ce que j'ai fait du coup. Que j'ai, tu sais, soit je me colle, soit je prends de l'élan, mais ça marche pas. Tant pis, hein. Tant pis. Est-ce que je peux... Non, c'est pas un truc qui s'ouvre. Mais écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner voir la... Non. Oh non, j'en ai marre de lui. Je pars pas du coup, c'est ça? Ah si, je peux partir. Et je vais aller voir l'infirmière. Comme ça, je lui donne les trois trucs. Puisqu'on a le pansement. Voilà, on a le pansement, le masque et les antibiotiques. Enfin, les médicaments, quoi. Il n'y a pas de format. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. C'est un ou boum. Pour tout, à peu près. Mon sauveur! Oh, merci. Voilà une clé pour toi, trésor. N'hésite pas à venir me voir si tu veux que j'embrasse tes bobos. Ah bon? Un bisou sucré devrait te remettre sur pied en un rien de temps. Wouah! Ah oui! Putain, ça se trouve, elle nous soigne vraiment, en fait, quand on a un cœur en moins. Oh purée, j'en ai marre de lui. Oh là là, va-t'en! Oh non! Mais c'est pas bon, ça, hein! Non! Arrêtez de me chier les trucs! Allez, jette ton truc. Voilà. Bah je sais pas, on va tester là sur ce truc là, mais ça a pas l'air de marcher quoi. C'est trop bizarre. Ou alors il y a un... Ah! Ça va être avec le gant peut-être. Regardez. Voilà, gants. Ah bah voilà, gants à cubes curbitacés. Utilise ces gants pour pousser les cubes curbitacés. Attends, depuis quand t'as des mains? Page de journal. Maman m'a offert des gants qui ressemblent à des tranches de pastèque. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Eh oh! Ah bah oui! Mais les gants, on les a automatiquement, c'est comme les bottes. Donc là, normalement, on est bon. Ah bah non, j'ai raté.
Oula, par contre, ouais. Picard full, quoi. Voilà. Alors, pourquoi elle est là? On ne sait pas, c'était juste pour tester. Donc, on va pouvoir se refaire les pièces. Oh, purée, j'en peux plus. Oh là là. Ok, nickel. Ah, c'est quoi, ça? Ah, c'est un cœur, ok. Ok, ça marche, Arcanoid. Merci beaucoup d'être passé, des bisous. Bonne fin de journée à toi, bon après-midi. Et puis, bah, bon week-end aussi. Des bisous. Non. Tac. Ah, très bien. Ah, pour éviter les ennemis, peut-être. Oh non! Putain, j'en peux plus de lui. C'est infernal, ce mec. Alors, du coup, ouais, ça, on peut le faire tranquille. Par contre, je crois qu'on a pas la clé, bah ouais. Ah, mais, on va pouvoir peut-être... Yes, libérer une entrée. Trop bien. Oh non. Oh non, 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 arrêtez. Hein. Ah, je vous déteste. Je vous déteste. Petite cerise perdue. Carly la cherche partout. Ah, trop bien. On va pouvoir ouvrir l'autre porte. Ça, c'est quoi? Service des armées, ordre de mobilisation. Le président des États-Unis à Matthew Rigsby. Monsieur, le 15 avril 2020, vous avez été appelé sous les drapeaux des États-Unis pour une période de 30 ans. Ah ouais. Vous devrez vous rendre au centre de recrutement de l'armée le plus proche le 20 avril 2020. D'accord. C'est quoi, ça? Ah, là, il y a un journal. J'en peux plus. J'ai réussi à avoir un autographe de Zach Dreen sur mon poster de Giga Sword. Je vais mourir tellement je suis heureuse. Trop bien. Ok. Let's go. Du coup, on va rendre la petite cerise. Et on devrait obtenir la clé. Par contre, je crois que là, j'ai fait de la merde. Hein. Pas du tout par là. Il faut que j'aille là-haut, je crois. Ah ouais, avec l'autre qui m'attrape la tête, là. C'est la chicorée du Nord. C'est ça. 30 ans de service. Non mais, what the fuck, quoi. La petite cerise, c'était là qu'il fallait la rendre. Grâce aux champis, ma petite sœur va bien. Merci de me l'avoir ramené. Voilà une clé pour te remercier. Bah, merci. Attends, on peut lui reparler, peut-être. Histoire 2. Grâce aux champis, ses premiers mots ont été à l'aide. La pauvre. Alors... Ah ouais, putain, lui. Alors, je crois que la clé, c'était là-bas. Ah non, hein. Laissez-moi tranquille. Putain, j'ai perdu là la vie, quoi. C'était pas là, en plus. Oh non! Oh là là, je suis obligée de le tuer pour partir, quoi. Bon, des cœurs, c'est toujours ça de pris. Donc, ce n'était pas là, bien sûr. Attends, mais là, c'était un journal, non? Maman m'a offert des gants. Ah, ok, d'accord. Oh, peut-être qu'on aura de nouveau un cœur, qui sait? Oui, bah très bien. Alors, let's go. Let's go, let's go. Donc, je crois qu'il faut qu'on aille en bas. Ouais. Oh, purée! Est-ce qu'il faut qu'on aille là? Pas du tout. On aille en bas. Ah ouais, là. Ah, c'est quoi? Oh merde! Télégramme de l'armée, Madame Rigsby. Nous avons le regret de vous annoncer que le capitaine Matthew Rigsby a été porté disparu le 15 juillet 2020. Vous serez immédiatement averti dès que nous obtiendrons plus d'informations sur la situation du capitaine Matthew Rigsby. En plus, il a pas tenu longtemps. C'est le 20 avril qu'il y est allé. Donc, mai, juin, juillet, ouais, 3 mois, quoi. Même pas. Oh! Oh! Pomme chapie moisie. Elle a une tartine beurrée sur le dos? Ah non, hein! Oh non. Je suis nulle à ça. Ah oui, je sais pas quoi faire. Oh non, il va apparaître un truc. Connasse. Connasse. L'épée. Voilà, boum. Ah, mais purée, attends. Il y a un problème, là. Euh,
Est-ce qu'il faut que je puisse la taper du coup? Ah ouais, donc là je passe tout le combat déjà à faire des blocs quoi. Oh non mais hé hey. Ah ouais, donc en plus on me nique mes blocs quoi. Ah non hein. Je lui ai mis un coup d'arrosoir. Le truc qui ne sert à rien. J'ai un cœur, cool. Merde. Oh, je me suis pris dans la gueule? Non, même pas. Par contre, là, oui. Ah non, hein. Ah non. Okay. Il faudrait que je remette d'autres bidules, quoi. Voilà. Parfait. Ah non. Hop. Oh non. Ok, nickel. Aïe. Ok. Est-ce que je peux le taper quand il arrive Oh ouais. Mais c'est vrai que c'est mieux de mettre un petit coup de... C'est mieux de mettre un petit coup d'épée, quoi. Non. Oh, oh purée. C'est bien parce que j'ai 15 façons de le battre. Donc c'est plutôt bien. Plutôt cool. Oh putain, il va me le péter mon truc. J'en ai marre. Ok, là il faut que j'arrive à le... à mettre un petit coup de bombe en fait. Ah attends. Bon, on s'est tous fait péter, mais ça valait le coup. Il y en a bien un qui va me lâcher un cœur. Ouais, yes. C'est ton perso qui rote? Oui. Non, non, c'est moi, Akira. J'ai décidé que je passais un stream à roter. Et du coup, voilà, je rote. Quel con. Ah non, hein. Non. Barrez-vous! Ah non! Il est mort! Et tu dis le chat a des vers, donc c'est ça? Ah ouais, 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 ça doit être ça en plus, c'est vrai. C'est pas bien. Je pense que le jour où vous m'entendrez rôter, vous en souviendrez. Pomme chapie perdue, la petite pomme à cancan. Ah, et j'ai un cœur en plus. Oui. Ah non, j'ai pas un cœur en plus là, si. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, voilà. Nickel. Merci Akira. Merci à vous. Alors attendez, parce qu'on est arrivé. Bah du coup, on doit aller là-haut, hein. Y a rien d'autre à lire? Non. Rapport de recherche numéro 3. Grosse machine qui fait brrr, mort de rire. MDR. Bombe de peinture. De la peinture qu'on peut vaporiser. Ah! Il y a écrit GG sur la bombe. C'est la bombe qu'on doit donner au mec, là. Dans une autre zone, là. Il cherchait ça. Et c'est le générateur, du coup. Nickel. Bah voilà. C'est parfait. On est super, là. On est super. Coucou. Salut petit navet. C'était chouette d'étudier ici, mais je vais retourner à mon laboratoire pour mettre mes notes au propre. Au fait, t'as vu le gang de la saumure dans la boîte à glace? Ils sont célèbres dans la région. Je pensais pourtant que leur tête était mise à prix. Je te déconseille de les aider, petit navet. Bah oui, oui. La bombe. Para bailar, la bomba. Bien sûr. Non, là je sors, hein, je crois. Hein. Oui, bien sûr. Donc non, il faut que j'aille rechercher... je sais pas ce qu'il va me donner, tiens. Des sous, peut-être, non? Ah, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire, le navet, là? Je te ferais dire que j'étais parmi les meilleurs de ma promotion à l'école des commandos Farfal. J'en ai fait des raids à la ferme. J'ai éliminé plus de 300 cibles.
Je suis formée au combat légumineux et je suis le meilleur tireur d'élite de toute l'armée. Pour moi, tu n'es qu'une cible de plus. Je vais si bien te faire exploser le tubercule que je vais l'éparpiller à des carrés de potager à la ronde. Et je ne mâche pas mes mots. Donc tu penses pouvoir dire des saletés avec tes airs angéliques ? Réfléchis le navet. Au moment même où je te cause, j'envoie un message à tout mon réseau. On va traquer l'empreinte de tes fans à travers tout le potager. T'es pas prêt pour ce qui va te tomber dessus, gamin. T'es mort. Je vais devenir ton ombre. Et je connais une centaine de façons différentes de t'éplucher à main nue. Et je te raconte pas ce que je vais te faire une fois que j'aurai accès à l'arsenal des commandos farfalés. Tu vas faire 3 fois le tour du potager sans que tes racines touchent terre, sale petit. Terreux. Si t'avais su ce que ce petit commentaire pourri allait déclencher, t'aurais peut-être fait un peu plus attention avant d'ouvrir ton bec. Mais t'as pas réfléchi, t'as ouvert ta bouche. Et tu vas en payer le prix, le navet. Je vais te passer à la lamineuse et recouvrir ton plan de travail de farine. T'es mort, sale gamin terreux. Mais il est fou, lui. Le gars, il a dû lui dire bonjour. Nom d'un glaçon, t'as pu redémarrer le générateur. Je suis un peu moins fâchée, c'est pas grand-chose, mais c'est tout ce qu'on a. La fourche à 4 dents, mais je dois le donner à Oignon. Ok. Du coup, je crois qu'il n'y a plus de quête du tout. Mais je vais aller... Alors certes, il y a la fourche à oignons. Mais il faut... Merde, non, c'est pas par là. Faudrait que je donne la bombe de peinture. Ouais, c'est là. Mais la bombe de peinture, elle est à l'autre... Mais non, mais c'est bon, bisous. La bombe de peinture, elle est à l'autre bout. Hein. On peut taper ? Ah ouais, trop bien, ouais. Pas mal. Bon, je l'utilise en attendant de lui donner. Hein. Profitons-en. Attends, on atterrit là-haut ? Ah, mais on doit atterrir sur une autre map. Attendez. Je regarde quand même. Ah ouais, il faudrait que les mecs là à gauche ils partent. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Ok. C'est sympa les musiques en plus. Alors, let's go. Faut qu'on aille. Le mec aux peintures, il était là-bas, je crois. Ah ouais, parce qu'on avait pris un screen. On passe par là. Il était là, je crois. Ouais, il est là, lui. Merci, mec. Tiens, c'est pour toi. Repasse me voir plus tard si tu veux admirer mon œuvre. Plus de cœur. Oh, trop bien, un cœur en plus. Ouais, ça doit être vraiment les trucs... secondaire, enfin c'est pas obligatoire, mais ta tête dans ta quête, bah quand même plus de cœur égale plus de vie, c'est beau, bien sûr. Impressionne le faille. Ah oui, il fait un peu péteux, c'est ça. Non mais le mec s'est enflammé pour rien. Hein. Du coup enflammé, non, vaudrait même pas qu'il s'enflamme d'ailleurs. La fourche à 4 dents me sera bien utile. Tout se passe comme prévu. Bref, Annie m'a parlé d'une gelée avec d'étranges propriétés dans la forêt fumeuse. J'en veux. Non, ça ne se mange pas. Ramène-moi de la gelée à tout prix. La forêt fumeuse. Alors, bah moi, je dirais que ce serait toujours par là, non? Mais là où il y a les mecs qui gardent le truc. Peut-être, hein. Donc déjà, il y a 2 zones où il faudrait qu'on aille quand on a fini le jeu. Ah, ils sont peut-être là. Yes! Hop! Ah non, hein, j'ai plus rien. Voilà. Forêt fumeuse. Trop bien. Ah, mais attends. Je peux rien faire. Salut, petit navet. Bienvenue dans la forêt fumeuse. On ne voit pas beaucoup de nouvelles têtes ici. J'étudie cet endroit depuis longtemps. J'en ai vu des choses étranges dans ces bois. C'est dangereux, mais ici, on trouve des tas d'indices sur nos origines. Viens me voir dans mon laboratoire. Je peux t'aider à trouver de la gelée pour le maire oignon. Là, le maire oignon, quoi. Ah bah, le truc oignon, ça me fait penser à... Overcooked. C'est aussi le maire qui nous donne des... Qui nous donne des quêtes. Et c'est un oignon.
Et bam. C'est gros ça, non? Ah oui, c'est un peu gros, ouais. Bon, ça va en deux coups. Hein. Franchement, ça, ils ont fait un truc quand même qui est vachement mignon, qui est à la portée de tous pour les combats. Ça va. Aïe, aïe. Ah oui, c'est vrai qu'il s'est, il s'est jeté sur mon épée. Eh. Bah tant mieux. On va remonter d'abord. Ah, trop bien. Tout, 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 tout. C'est ça, Akira. Trop mime, ce petit oignon. J'ai changé le mot de passe, mort de rire. Non mais... C'est lui qui a changé le mot de passe? Bon, vous savez quoi? On va aller lui redonner... on va lui redonner son truc, là. En évitant de se faire éclataxe. Voilà. On repasse par là. Nickel. Oula, Eo, tu m'auras pas, toi. Je te le dis. Nickel. Et Micheline? Mon téléphone. Oh, par les champis, t'as trouvé mon téléphone. T'as l'air d'aimer la technologie, toi aussi. Tu veux bien signer notre pétition? Le maire Oignon veut censurer Tic Tac. C'est mon appli préférée, mais je ne sais même pas comment elle est arrivée sur mon téléphone. Ok. Purée. Qu'est-ce qui fait peur, ce... Qu'est-ce qu'elle fait peur, cette émote? Et ça me rappelle un perso ou un truc, c'est quoi? Coucou, Papa Geek. Merci beaucoup pour le lurk, j'espère que tu vas bien. Le maire Oignon veut faire interdire Tic Tac. Il dit que c'est à cause des impôts. Signez la pétition pour sauver Tic Tac. Yeah. Sana, Sandra, Sarah, Reine du 9-3 et Fraise. Mire, voilà, exact. Mais du coup, j'ai jamais joué au Nier. C'est un des monstres. C'est quoi comme... Déchire, hein. Allez. Qu'est-ce qu'on aura déchiré comme papier? Du Elden Ring. Pourquoi il en est où, papa? Il a fini Elden Ring, Papa Geek? C'est pas là que je devais... Si, c'est là que je devais aller, mais je devais aller à gauche. Allez, hop. Un coup, un coup, un coup, là. Black Apps. C'est un PNJ, d'accord. Ah, il a fini avec une arme cheatée? Ah, il a fini avec quelle arme? Oh, purée. Purée de lapin à la con. Aimer les animaux, bien sûr. Hein. Je crois que je suis allée à droite d'abord, non? Je sais plus. J'ai oublié. Ah non, je suis remontée. Je suis remontée parce que je me suis dit... Ouais, que c'était là qu'il y avait le téléphone. Exact. Là, il faut une clé encore. Ça doit être le labo de Micheline. Ah, il y a ça. Ah, je ne peux pas passer. Bah, c'est très intelligent, ça. Ah, il y a un truc, là. Wanted. Oh, bon, on m'a dessiné... Allez, 2$, hein. C'est mieux qu'au début. Au début, c'était 1$. Alors, pour fraude fiscale, larcin, exhibitionnisme... Quoi? Exhibitionnisme, choupitude extrême, meurtre, trouble à l'ordre public, effraction, dégradation de biens, etc. Petit navet, récompense 2$. Attention, il est armé et dangereux. La petite tête qu'on a là. Il a fini avec l'arme au bas. est-ce qu'on remonte? Parce que nous, on vient de la droite. Hein. Oh, on peut remonter pour voir. Astuce, savais-tu que tu pouvais arroser à travers les clôtures? Maintenant, tu es un vrai pro du jardinage. Ah, les salauds. Tu peux arroser à travers les clôtures, sans déconner. Ah, mais oui! Ah, mais oui! Ah, c'est un portail! Ah, c'est trop bien! Oui, bah moi, j'étais pas prête. Hein. J'étais encore sur l'arrosoir. Ok. Et bam! Oh purée, il y avait un endroit où il y avait des rochers. Je sais plus où c'était. Oh mais faut qu'on y passe après, donc c'est bon. On s'en fout. Il faut que je tape ça là. Ok. Parfait. Hop. Non! Non! J'ai raté! Putain. Ok. Ah, oh, il y a un portail. Ah oui, attends, putain, il y a un portail là aussi, non? Et là, il y a quoi? Euh...
D'accord. Oui, mais ça me sert à rien, là. Purée, mais si. Mais si. Pas le joueur, mais si. Comme ça. Ça peut pas aller dans le portail, ça? C'est dégueulasse. Ça peut pas aller dans le portail. C'est complètement con. Mais je suis sûre que c'est ça qu'il faut faire en plus. Bah, du coup, c'est la merde, quoi. Enfin, il faut que j'arrive à péter ça, mais ça va être compliqué, là. Comment je fais? Alors, comment je fais pour péter ce truc-là? Parce qu'attendez, si je passe... Après, j'accède peut-être à d'autres lieux, hein, mais je pense que c'est les mêmes portails. Hein. Bah. 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 Ah, faut que je fasse... Faut que j'active les deux pour que ça marche? Ah. Ok, d'accord. Mais attends, moi je suis pas rapide, moi, comme personne. Okay. Non. Oh oui. Oh non. Ah bah j'ai raté. Oui. Voilà, nickel. On a réussi. Et du coup... Ah... Oh putain de merde. Non mais c'est bon là. Oui voilà, on va pas non plus passer 6 heures à arroser des portails. Waouh, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a un truc comme ça là? C'est la grotte. Oh merde, c'est toxique. Hein. Faut faire attention, c'est toxique. Oh purée. Connard. Mais il est trop vénère, lui. Oh. Ah bah, il s'est barré. C'est Bambi. Bah ici, il s'est cassé. Ok. C'est chaud cette grotte. Non mais... Oh, c'est trop mignon. Dessin de la fresque. Quelqu'un a laissé un champi géant ici. Trop cool. Oh, c'est trop beau, ouais. Ah, mais ça se trouve, peut-être que c'est un truc qu'elle va nous demander, la scientifique. Du coup, on l'a peut-être fait avant. On dirait un boss d'Elden Ring. Mais qu'est-ce que t'as comme arme, du coup, Papa Geek? Et GG pour la fin, du coup. Oh, t'arrêtes. Hé. Ah non, hein. Ça se passe comment? Comme ça. Hein. Bisous. Bisous, bisous. Il va vraiment falloir arrêter la bière ou les boissons gazeuses. Ouais, c'est vrai, hein. Ça me perturbe le transit, je trouve, un petit peu. Éclipse lunaire. Je ne sais pas du tout... Je sais pas du tout ce que c'est. C'est un truc que tu mets sur ton arme, c'est ça? Ah, tu l'as pas encore fini, d'accord. Je croyais que tu l'avais fini, du coup. D'accord, ok. Et du coup, t'en es où, Papa Geek? Dans Elden Ring? Ah, il y a un truc là, rapport de recherche numéro 4. Grâce au maire Oignon, j'ai pu construire un laboratoire. Quel secret se cache dans cette gelée? Ah, donc c'est elle qui a fait les rapports. Ok. Ah, ça dépend de la run. Bah, je sais pas, en général. T'as une run stream et une run normale, c'est ça? T'as réussi. Bien joué, mon fidèle assistant. C'est étrange. J'avais déjà entendu parler des champis géants. Je sais que ça semble invraisemblable, mais je pense qu'ils ont existé il y a très longtemps.
Je vais avoir besoin de plus d'informations avant de tirer des conclusions. Tu vas m'aider. Prends cette clé et va au sud. J'ai entendu parler d'un champ de navets très ancien, mais j'ai pas réussi à le trouver. Va interroger les gens du coin pour en apprendre davantage. Ok. D'accord, ok. Et du coup, t'en es où dans, je sais pas, bah dans les deux? Perso et stream. Alors. Pouah, pouah, pouah. Alors attends. Ok. Je pense que ça va être casse-tête ça. Je fais péter ça comme ça. Yeah. Ok. Ensuite ça. Ça. Tac, tac. Non! Mais qu'est-ce que je fous là, moi? Ta perso, t'es pas loin de la fin. Et le stream... Ah, le manoir, il y a des tours pour la quête de Rani. Ok, d'accord. Ok, Dak. Et t'as pris le même personnage pour tes deux parties? Enfin, la même classe? Une arme cheatée, le mec, il tue tout le monde en trois coups. Bah après, ça dépend de l'arme, ça dépend des zones où t'es, ça dépend... Hop. Ah mais du coup là je l'ai dans le... J'ai dans le baba là. Oh, oh non. Oh non, je me suis pas coincée. Me dites pas ça. Oh putain, ouf. J'ai eu tellement peur. Oh purée. Ok. Ok, ok, ok. Pourquoi je pouvais aller là? Pourquoi je peux aller là? Ah, attends, je sais peut-être. Ah, haha, ok, oui. Tac, tac. Mais non! Mais. Flormy, arrête. Putain, ouais, faut que je pousse ça dans le portail, quoi. Wow, ok. Et après, faut que j'attende que ça se tasse. Ok, et tac. Ok. Et après, faut que j'envoie le bordel. Ok, d'accord. Et bam! Et bah, dis donc. Wow! Alors. Merci, Henri. Champ de navet, ok. Attendez, peut-être me battre, hein, ouais. Ah, c'est quoi ça? On sait pas. Il y a un navet là. Eh oh! Oh! C'est quoi ça? Navet! Il est où le cucu? Elle est où la tétette? ah, il y a une grotte. Il y a encore une grotte. Pire, il y a encore des trucs là. Bon, attendez, on va dans la grotte déjà. Ouais, on va essayer de pas trop s'enflammer parce que. What the fuck? Mais il est énorme! Et il s'est quand même barré, hein. Là, ça fait monstre d'Elden Ring, ouais. Ouais. Là, on était quand même sur un truc mais géant de fou, quoi. Wow. Ça, c'est des produits chimiques, hein. Pétale portail. Utilise-le pour faire apparaître un pétale portail. Oh, trop bien. Trop, trop bien. Alors, ça va me... Ah, d'accord, je sais. Ça va nous servir pour le bloc, je pense. Pour ça. Ouais, mais du coup, c'est super. Oh là, je suis dans la merde, là. Attendez.
Et quand je l'emprunte, je vais nulle part. Pourquoi je sens dans la connerie, là? Pourquoi je sens la grosse connerie? Merci, Akira. Ah non, mais il va me coincer! Mais non, ça sert à rien de donner des coups de... Oh, putain. Ah, t'as... Dégage! Donc, attends. Ah, mais je crois que je sais, attendez. Je peux pas le mettre là-bas? Moi, ça ne sert strictement à rien, c'est débile. Alors, il doit y avoir un truc à faire qui m'a échappé pour l'instant. Ouais. Ça, je... J'admets, je vois. Est-ce qu'il faut que je reparte par l'autre côté, alors, du coup? Attends, je suis où, là? Ok. Bah non, là, on a été récupérer le truc et on s'est barré. Ok. Donc là, il n'y a aucun autre passage. Ok, Doc. Pardon, excusez-moi. Oh purée, j'en peux plus. Faut arrêter de me... Où est-ce que je vais poser le truc de merde? Ah! Eh, pas bête! 6 heures plus tard, pas bête ou pas? Oula! Mon épée! Voilà. Alors attends, parce que ça... Ouais? Alors attendez. Ah, je sais. Faut que je le pousse. Alors, oui, déjà, faut que je le mette là. Ce sera mieux. Merde. Voilà. Et ensuite, il faut que je le mette là-bas par rapport à la bombe. Parabailar, la bomba, bien sûr. Parabailar, la bomba. J'ai voulu dire un truc, j'ai oublié. Ah non, faut que je mette des portails. Ah. Pas bête. Pas folle la guêpe. Faut que je fasse. J'ai raté. Ça et ça, du coup, non? Ah bah non, c'est très con. Non, ça n'a pas de sens ce que je fais là. Bon, ça a marché. Ça a marchouillé, c'est bon, hein, on peut passer quand même. Hop, hop. Oh, un cœur. Merci. Petit row, hein, m'excuserez. Et ça, du coup, c'est un portail, je pense. Tout à fait. J'y vais pas. Ah, et je suis revenue. Il fallait que je rapporte la fresque, hein, je pense. Hein. Oh, champi, je comprends pas. Il te ressemble, mais il n'est pas conscient. Je suis désolée, petit navet. Ces aventures ont pris un tournant bien sombre auquel je ne m'attendais pas. Nous avons besoin de terminer cette enquête et de comprendre comment tout ceci s'articule. Voici la dernière clé. Prends-la et va vers l'ouest. Je pense que c'est là que tu trouveras des réponses. Super, je sais plus... Va vers l'ouest. À l'ouest. Merci Akira. Coucou Momo, comment tu vas? Lève-toi et marche. Alors, je vais vers l'ouest là. Hein. Pour l'instant, on continue. Et je sais pas du tout... Pleine plate. Ouais, mais... C'est là? Attendez, il y a quoi? Ah mais non, je suis con! Oh, je suis allée à l'est. Ouais, mais bon, c'est des conneries de gauche et droite, hein, donc bon. Selon où on se tourne, c'est pas la même chose. Je sais plus d'où je viens du coup. C'est super cool. La forme, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que t'as fait comme erreur?
Pourquoi je crie comme ça? Ah oui, alors attendez. There is a suicide. Ouais, mais du coup, je fais comment, là? Je veux bien faire des portails. Ah, attends. Ah, et du coup, il me faut ça, et bam. Magie. Ok, nickel. Bam, 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 bam. Et la clé. J'espère qu'il n'y a pas trop d'énigmes à la con comme ça aussi, hein, parce que moi, c'est pas trop... Selon comment je suis, c'est pas trop mon fort. Hein. Qu'est-ce que... Je suis quoi? Oh là, mais la pauvre. Qu'est-ce qu'elle a? J'ai chu. Je me suis sortie de cette gelée, mais je me rappelle de rien. Ouais, alors c'est une gelée, mais je pense que c'est plutôt des produits chimiques, hein, pour le coup. Oh, ma tête! J'ai les oreilles qui sifflent. Ouais, ça pue. Hein. Ça pue, c'est le cas de le dire. Alors, excusez-moi, je vais m'hydrater. Hydratez-vous, c'est important. Hein. Du coup, nous, on vient de là. Hein. Bon, le café est fini. Oh, oh, c'est le méga cerf, comme tout à l'heure, là. Cerf, la nature peut être cruelle. Oh, le pauvre, mais c'est trop triste, là. Ah non, hein. On va y arriver, ça va pas être très compliqué. Et là, je meurs, mais tellement salement, ça se trouve. Oh, il me crache des trucs. Ah non, hein. Oh, et il va dans le champ. Et le lapin, là. On t'a vu. Oh, il y a plein de lapins. Mais il y a des cœurs. Eh oh. Ah non, hein. Ouais, j'essaie de... Je blinde, hein, parce que c'est chiant. Oh. J'ai tué plein de lapins aussi. Hop là. Je peux lui mettre dans le cul. Pardon, excusez-moi. Non, c'est raté. Mais au moment où je vous tape, vous êtes fous ou quoi, les gars, là? Faut que je l'attire au bon endroit, en fait, pour pas qu'il aille dans le... Voilà. Nickel. Ah non, hein. Ah bah là, il va retourner dans le lac. Ah bah, du coup, je vais taper les lapins en attendant. Hein. Je vous lis. Après. Il va absorber. C'est Elden Ring. Ah oui, 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 mais viens là-haut, viens là-haut. Putain, connard. Faut que je l'attire, en fait, à un endroit où je peux le taper, parce que... Oui, je sais qu'il y a les bombes, mais j'ai la flemme. Il me crache dessus. J'ai pris des risques, hein. Ah non, hein. Voilà. Ah, ah. Non, il est trop loin. En fait, faut que je l'attire là, là. Viens ici. Viens là, là. Non. Viens là. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais il se tape la tête. Viens ici. Viens ici, on t'a dit. Voilà, viens là, viens là, viens là. Là. Yes! Ouh. Alors, je vous lis. Ils vont me mettre un truc bizarre là? Non. T'avais plus rien dans le frigo, t'allais faire des courses, mais vu que j'ai plus de voiture et que je me suis embrouillée avec ma mère et qu'elle veut pas m'amener en cours, je suis allée à pied. J'aurais... Ah merde, tu es décédée par la chaleur? Est-ce que t'as quand même réussi à trouver ce que tu voulais en course, Momo? Elden Ring, c'est un mutant le truc. Fais gaffe, je te jure, c'était affreux ça, hein. Merci, merci Henri. Il va absorber la vie des lapins pour se régénérer. Elle aurait pu le faire, hein. Après, là, on est quand même le héros de la victoire. Après, attendez, il y a un autre petit héros, là. Eh, tous les héros de la victoire. Il aurait pu le faire, mais je pense que comme on est sur un truc qui est quand même relativement mignon, ils sont pas trop enflammés.
Mais je pense que ça aurait pu être ça. Hein. Ok, d'ac. Et bah voilà. On passe par là, ouais. Gelée verte, ça me fait bizarre de toucher ça. Qu'est-ce que le maire oignon va en faire? Mais se trouve, le maire, il a des projets assez fous pour la ville, je pense. Hein. Ça, ça fait le gros méchant. Il augmente les taxes, il a des projets secrets. Il est pas très... ouais. Ça pue, hein. Merde, c'est pas ça. Ouais, je vais pas me défendre avec mon... Pas trop me défendre avec mon arrosoir. Ah, les petits sont partis, du coup. Il y avait des petits, là, qui étaient... qui étaient un peu intoxiqués. Petit navet, tu es tout luisant. C'est pas très rassurant. On dirait que tout autour de toi prend vie. Oh, la gelée a un visage. Est-ce que c'est un légume ou un animal? Ni l'un ni l'autre, on dirait. Quoi? T'as rencontré des cupules parlantes? Je pensais que les cupules étaient juste des graines d'arbres. La gelée, le navet, les champis géants. Nous tenons peut-être la clé de notre évolution. Est-ce que les champis géants ont créé la gelée pour nous donner la vie? Je dois écrire un rapport pour le maire Oignon. C'est extraordinaire. Merci pour ton aide, petit navet. Je t'offre ceci. T'es maintenant un vrai archéologue. Ouah, trop bien. Il est beau, mon chapeau. Chapeau d'expert. Elle va me dire un truc, je pense. Bon, je dois écrire mon article. J'aimerais continuer de papoter, mais il faut que je travaille. Merci encore pour ton aide. Du coup, là... Ah, il y a un truc qu'on aurait pu avoir entre les deux, tiens. Entre le chèque de Jerry... T'as perdu 45 litres d'eau pour l'aller-retour. Oh, putain, tu m'étonnes. Ouais, est-ce que tu t'es pris à, quand même un petit gâteau, un petit truc, histoire de te faire kiffer? Voilà. Là, t'es posé au frais. Est-ce que t'as un petit truc à grignoter cool? Est-ce qu'on se met le truc de roi? Parce qu'on est roi du 9-3, quand même. Hein, faut pas oublier. Hein. On va mettre ça. C'est trop mims. Il est trop mims, ce jeu. Ah, bah, elles sont là, du coup, les petites. Doit être... Proprio! J'ai une feuille, navet, alors aide-moi. Une façon comme une autre de s'acheter un terrain. Mais what the fuck? Mais tu veux que je donne à qui ça? Ah, peut-être à la meuf qui fait les... Peut-être à la meuf qui fait les... Qui vend les trucs là. Peut-être. Ah, mais il y en a une autre là. Arbre. Je suis un cousin de l'arbre. Oui, apparemment. Bon, du coup, là, on revient. Hein. Ah, l'académie, c'était bien, ça. Est-ce qu'on retourne voir la propriétaire? Attends, c'était où, par contre, tout ça? C'était pas par là. Ouais, il fait toujours chaud chez vous. Je sais que par chez moi, il y a eu de l'eau. Je crois que c'était là. Hein. Il y a eu de l'orage, ça a un peu rafraîchi, mais là, ça remonte. Hein. Ça remonte tranquillement. Oh, tu m'as trouvé un client? Leur budget, c'est une feuille. Ce n'est pas vraiment... Le pouvoir d'achat, ce n'est plus ce que c'était. Hein. Voilà, tu peux lui amener ceci. Je peux au moins leur vendre un petit bout de terre. Un terrain qui vaut bien une feuille. Ok, bon, bah on repart. Hein. Lui, il voulait quoi déjà? Ah, il veut de la teinture. Ok, bon, j'en ai pas tout de suite. Hein. Tout, 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 tout. Alors, attendez, je crois qu'il faut que je reparte au sud. Et c'était là. Ah ouais, il faut que je rapporte la gelée après à l'autre. Je sais pas si on a des quêtes en attente, je crois pas. Hein. Ah, une pizza à Nice Tea. Bon bah top alors. Bah, bon appétit, je sais pas si tu as déjà mangé ou pas. Mais si tu manges, bon appétit. Si tu as mangé, bonne digestion, bien sûr. Repose-toi bien. Ah, la petite, on peut lui donner son truc. Merci Navé. Tu peux le lire pour moi, je peux pas. On va lui déchirer après, non? Bah ouais, c'est horrible. Vous êtes proprio, n'oubliez pas de payer vos impôts. Ok. C'est comme ça qu'on lit? Cool.
Maintenant, dégage. Putain. Sympa. Et des glaces à la noix de coco. Oh. Et qu'est-ce que tu t'es pris de bon à manger, du coup, pour les prochains jours, Momo? Alors. Papa. On va donner... Bah ouais, on va donner la gelée, hein. Je sais pas si on a un moyen pour voir, genre, les quêtes ou un truc comme ça, mais je pense pas, hein. Ouais, c'est du basique. Et je pense que là, c'était quoi? Il y a des trucs qu'on a dû manquer parce que... que j'ai dû louper parce que... on n'a pas tout détruit. Après, il est possible aussi que ce soit les deux chemins qui étaient barrés. Bon, on retourne voir machin, là. Je pense qu'on va aller dans le cimetière aussi un moment. Ça va être cool. Ouais, c'est parti. Oh oui, je touche au but. Au fait, cette espèce de lueur verte n'est pas couverte par ta mutuelle. C'est bizarre, c'est comme si la vie fleurissait autour de toi. Bref, j'ai besoin d'un appareil que ta cervelle de petit poids ne peut pas comprendre. C'est un tube en métal qui émet un rayon rouge, ça s'appelle un pointeur laser. Il y en a un dans les bois de la baston. J'ai envoyé les CRS en éclaireur, j'espère que ces idiots arriveront à me le ramener. Ok. Ça marche, Papa Geek, merci pour le lurk. Ça sera cordon bleu, nuggets, c'est crème, jambon et mental, et il me reste des œufs. Ah, c'est trop bon ça! Plus simple pour les nuggets. Le meilleur truc du monde, les nuggets. Il y a un mec. Attends, j'ai vu un truc, c'était. Je sais pas s'il est mort ou s'il est allé à l'hosto. Il avait bouffé 400 et quelques nuggets. C'est affreux. Pas bien. Ah, des pains au chocolat, bien! Attends, qu'il a dit la forêt de la bagarre. Bois de la baston. Tout. Ah, faut qu'on retourne au bois de la baston encore. Il y avait pas un truc... Ah, il y a un truc qui était bloqué, peut-être. CB. De quoi CB? 400 et quelques, ouais, combien? Oui, bah je vous disais, mais... Graffiti Guy. Ouais, 400 et quelques. Et je sais plus s'il était décédé ou s'il a été à l'hosto, il y a un problème. Non, mais en fait, c'est-à-dire que on va être très honnête, 400. Parce qu'à un moment, je me suis dit, putain, en vrai, si j'ai envie de me démonter, c'est possible, j'arrive à en manger 40, tu vois. Genre, en forçant. Vraiment en forçant. Et je me dis quand même 400, mais je pense, c'est pas méchant, mais je pense que la personne était très en forme. Et du coup, moi mes 40, c'est l'apéro quoi, enfin voilà. Du riz, des pâtes et des patates. Car ma mère est nordiste et j'aime les frites maison. Mais c'est trop bon les frites maison ça. Ouais, 400 nuggets. C'est trop bon, bah tu vas te régaler alors, c'est cool. Merci encore, mec. Ah bah oui, il a dessiné un truc trop marrant, mais c'est pas là que je dois aller, je crois. Ils disent qu'ils étaient au bois de la baston, mais j'y suis au bois de la baston. Ah, c'est peut-être là, non? Bah non, pas du tout. Même en forme, bah tu sais, si la personne, je pense, en mode... tu sais, les reportages et tout horribles qu'on voit, là, tu sais, les gars, ils font 200 kilos ou... Ou tu vois, et du coup, bah... Quand tu vois ce qu'ils mangent... voilà, quoi. Ça me paraît pas... Après, je pense qu'il a quand même forcé. Hein. En vrai, il a forcé de fou, mais... Ouais, c'est ça, max 20. Mais ce que je veux dire, c'est... Imaginons, tu te dis... Allez. Je me fais un peu kiffer. Je sais, je vais avoir mal au bide. Bon. Je me dis... Et encore, hein, 40, c'est possible que je vomisse. Hein. Je suis pas... Je te dis pas que le 40e, il est mangé avec plaisir. Hein, ni même le 35e. Mais 400. 400. Même dans toute ta journée, 400, c'est impossible. Ah bah ouais, je pense... mais c'est ouf, hein. Là, c'est quand même... Waouh. Je peux leur parler ou pas? J'ai un cousin, il a mangé 11 cheeseburgers, putain. Mais en mode défi. Bonjour Navet Petit. Bunker bien germé. Je utilisais muscles pour ouvrir mais pas réussi. Peut-être Tat a outil au cimetière Crénios.
Dos vidania, un ave petit. Ah, d'accord, avec le petit accent russe et tout. Trop marrant. Donc, bon, on va aller au cimetière, hein, du coup. Moi, après, j'avoue, je kifferais faire un concours de bouffe. En fait, vous allez trouver ça trop bête, mais genre... est-ce que vous vous souvenez de la série Hey Arnold ? Pas le petit dessin animé. Et en fait, dans le dessin animé, à un moment, il fait un concours de bouffe. Et genre, il se fait entraîner par son grand-père et tout. Genre, il lui dit, ouais, justement, tu sais, faut pas qu'il mange pas. Tu sais, faut qu'il mange et tout bien, nanana, etc. Et après, il fait un concours de bouffe. Et du coup, je me suis dit, bah... un jour, il faudrait que j'essaye. Ça doit être drôle. Même si tu finis pas, mais tu sais, pour le fun, quoi. En mode, j'aime... Ah, je peux le faire à la fin. J'ai pas compris, Akira. Ah, d'accord, il s'est dit, j'aime ça. Et il s'est dit, tiens, si j'en mangeais 11, c'est ça. Bonsoir, machin, là. Qu'est-ce que tu veux? Ah, les CRS m'ont appelé, m'ont dit, toi, aider navet petit. J'imagine que c'est toi. M'appelle? Mais pourquoi? J'en ai besoin pour payer mes impôts. Très bien, si tu veux vraiment ma pelle, va falloir m'aider. Il y a des richards enterrés dans ce cimetière. Tu vas m'aider à les trouver et t'auras ma pelle en échange du trésor. J'ai jamais dit que je gagnais ma vie, honnêtement. Ah bah, ça c'est sûr. Si t'es partant, on y va. Mais c'est affreux. J'ai jamais dit que je gagnais ma vie, honnêtement. Ouais, d'accord, ok, c'est dit, vas-y. Après, en mode challenge, pourquoi pas, tu vois, mais... Je sais pas si vous l'avez entendu là. Hein. Le c'est honteux. Ah, j'augmente le son aussi de ça. Vous le faire en live. Non, je vais canner. Non, faudrait un jour que je fasse ça avec des potes. Mes potes avec qui je fais mon régime. Tu sais, les connards. Bon, on a perdu 20 kilos si on se faisait un concours de bouffe pour péter ça. Parce que, évidemment, il n'y a que ça à faire, hein, je veux dire. C'est la meilleure occupation. C'est affreux. 5 fruits et légumes par jour, exactement, Akira. Et qu'il faut marcher, manger, bouger. Fumer-tu. Sans alcool, la fête est plus folle. Je ne sais pas. Ne coince pas tes doigts sur la porte. Tu risques de te faire pincer très fort. Après, voilà. J'ai plus rien. Voilà. N'avalez pas le shampoing. Je sais pas s'il a écrit ça dessus. Si, d'ailleurs, il a écrit ne pas avaler. J'avais oublié à quel point le brouillard était épais ici. On va galérer. Bah écoute, t'as qu'à nous guider dans ce dédale. Tu veux ma peine, non? Et si tu allais parler à cette citrouille? Alors, on a attention, Akira. Boire de l'eau. Be careful, Akira. De l'eau. Pas autre chose. Et qui s'appelle Oryo Kezak, hein, bien sûr. J'ai éclaté les tombes, ça se fait pas, ça. C'est ça, sans n'importe quoi, qu'on fait n'importe qui. J'ai pété les tombes là, je suis pas sûre que ce soit le bon délire. Hein. Elle est bizarre la citrouille, non? C'est trop mims. Attendez, je reprends un mini screen. Je suis collée au canapé en cuir. Toujours mettre un petit plaid, un petit truc quand même sur le canapé, Momo. Parce qu'après, quand tu veux te lever, c'est pas top. Hein. Quand tu veux te lever, ça arrache un peu quand même. Oh non! J'ai allumé un truc, je sais pas ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. L'eau de Sagaro. C'est quoi l'eau de Sagaro? Vous saviez que vous pouviez piller des tombes avec l'épée d'épandage? Eh hey, mais, pourquoi est-ce que je vous dis ça, moi? Alors, va vers les arbres pourris pour éviter les soucis. Les ennuis, c'est quoi la meilleure rime? Écoute, c'est une énigme, d'accord? Eh bah, ça va, c'est bon. Les arbres pourris pour éviter les soucis. Ah, donc là-bas, en fait. Wouah, un chapeau! Chapeau haute forme. Mais trop bien. Très chic. C'est chic. C'est vrai que c'est beau. Ah, mais il le met automatiquement. Bon, c'est pas grave. On va lui laisser, hein. Ah, ouais! Oh, c'est horrible, le fantôme, il pleure. Mais c'est affreux. Ah, ouais. Eh bien, écoutez, les arbres pourris, donc je dirais que c'est ça. À chaque fois, faut aller vers, ouais, vers ces trucs-là. Alors écoutez, je vais faire une petite pause. Ouais, une petite pause de 5 minutes. Et puis on se retrouve tout de suite. Et de toute façon, on va finir le jeu ensemble aujourd'hui. Hein. Voilà, à tout de suite.
On est de retour. Alors, que disiez-vous ? Coucou Kappa, comment tu vas ? Momo, pas de rien. Après, ça dépend, hein. Si tu veux te faire une petite épilation des jambes, effectivement, reste collé sur le cuir. Mais bon, sinon, c'est pas top, hein. Ça me donne envie de faire pipi. Donc, tu as été faire pipi, Akira. C'est très bien. La chaleur est terrible quand tu rentres dans la voiture. Mais c'est ça. Mais de toute façon, partout, hein. Même dans les transports, hein. C'est affreux, hein. Après, tu vas au taf. De toute façon, t'arrives, t'es en sueur, tu retournes... t'en repars, t'es en sueur aussi. Et je ne conseille pas, bien sûr, de mesurer 1m50 l'été dans les transports. Voilà. Vous voyagez, mais pas forcément là où vous auriez envie d'aller. Pourquoi tu me regardes, Pomalo ? En cas de doute, suffit de creuser. Tu n'imagines pas tout ce que ces crétins emmènent avec eux dans la tombe. Pas besoin de pelle pour ça. Prends ton épée. Alors, bah oui, je sais. J'ai fait de la merde, là. Mon épée. J'allais faire pipi, j'ai déjà oublié mes... J'ai oublié les touches. Compliqué, hein. Oh ! Ah ! Le fantôme. Ok. Pourquoi je peux... Ah bah, pour le rocher. Tu m'as tué. Tu m'étonnes. Non mais c'est affreux, hein, vraiment. Putain, les gens qui pètent et tout aussi, là. Ah, j'ai envie de mourir, quoi. Ah bah, pareil. Pareil, Akira, c'est affreux, hein. Ça me rappelle pas forcément de bons souvenirs, tu vois. Pour le coup. Ah, petite couille. Tu feras mouche là où le soleil se couche. Tu n'as qu'à inventer ta propre énigme au lieu de râler. Tu feras mouche là où le soleil se couche. Ah, attends, le soleil se couche quoi ? À l'est ? Ah, j'ai besoin de votre aide, hein, parce que là... Ça va, le problème de gauche et droite, il est réglé, mais je sais plus. Est-ce qu'il se couche à l'est ou à l'ouest? Je pense qu'il se couche à l'est, hein, le soleil. La tristesse. On a tout pillé. Les transports en commun, l'été, c'est le bonheur. C'est ça. Après, il y a un côté, des fois, t'as pas de monde aussi. Donc ça, c'est cool. Du coup, c'est vrai que tu tapes moins de monde aux heures de pointe. Mais alors, par contre... Ça pue. J'avais un jeu à l'époque des transports en commun. Tenir le plus longtemps sans tenir quoi que ce soit dans le bus. Eh, c'est compliqué, ça. Hein. Moi aussi, je déteste tenir la barre et tout, quoi. Mais c'est pas possible. Au pire, je m'adosse à la porte. Voilà. Bon alors, dites-moi le soleil. À l'est, hein. J'ai pas assez de cœur. Ah si, c'est bon. Ah, c'est mon épée, ça ? Non. Non, non. On va éviter d'arroser la pauvre petite bidule. Ça, je peux pas... Pas du tout. Mais écoutez, on va se dire que c'est à l'est. Hein. Eh bah, pas du tout. Donc, c'était à l'ouest. Ah bah, voilà. Bah, Kira, j'ai vu ton message trop tard. Bon, du coup, lui, il a dit qu'il fallait faire le truc des arbres morts. Et l'autre, il dit que c'est à l'ouest. Ok. Let's go. Ah, ils sont sauvages, hein, quand même. Hein. C'est direct, direct, tu recommences, hein. Ok. Encore un fantôme, oh là là. Vous me tapez 6 fantômes en fait. Ah, elle est là. Oh la saleté. Aïe. Encore un pour lui. Bam. Nickel. Est-ce que. Alors, ouais, attends, il y a une autre tombe encore. Un petit cœur. Ah oui, ça fait du bien. Ah, j'avais pas. Ouais, non, j'en ai plus. Donc, il y a un document là. Ah, c'est horrible ça. Maman, papa,
Je ne sais pas pourquoi je vous écris, vous êtes mort. Je voulais simplement vous remercier de m'avoir légué la ferme. Ce sera un endroit parfait pour ma famille. Vous auriez quand même pu rembourser le prêt avant de mourir, non? Les impôts fonciers sont dingues ici et vous avez hypothéqué la ferme. Bon, au moins, vous, vous n'avez plus de loyer à payer. Voilà des photos de vos petits-enfants. Mais c'est affreux ce truc. Genre, ouais, merci, mais vous auriez pu payer, quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la petite citrouille? Pour rejoindre la bonne zone, va là où c'est jaune. Vas-y, c'est vraiment chaud de faire des rimes. Là où c'est jaune. Ah, bah les petits tournesols, là. Qu'est-ce qu'il va me dire, lui? C'est étrange. Depuis tout à l'heure, on a des citrouilles qui nous suivent partout, et là, personne? Ah bah oui, elle était dans la tombe. Yeah. Et là... Mais c'est quoi ces trucs? Je connais personne qui ait des os ici. Ah, tac. Tac. Un petit cœur, ça fait du bien. Rapport de recherche numéro 5, on trouve des traces des humains ici. Leur technologie semblait bien plus avancée que la nôtre. Ok. Ah, qu'est-ce qu'elle a, elle? Si tu veux que je reste couette, tu n'as qu'à aller à droite. Elle n'est pas trop bien, mon énigme? Alors, l'arrosoir. Et je mets ça où? Ah, ok, ok, ok. Ok, alors attendez, on va faire ça, ça. On va prendre l'arrosoir. Ça. Nickel. Oh merde, non. Ah non. Oh non. Oh purée. Je me suis coincée. T'as le prix de truc, quoi. Et bah oui, je vais où du coup? Je suis pas dans la merde, moi, tiens. Mais quel tartuffe! Bah oui, il faut que je recommence. Oh là là! Bon, alors du coup, c'est pas grave. Ah, oh, c'est bon, c'est bon. Allez hop, donc du coup, les arbres pourris. Après, on va à gauche. Et après, on va là où il y a les tournesols. Nickel. On va essayer de ne pas se planter cette fois-ci. C'était cette tombe-là, je crois. Pas du tout. C'était celle-ci. Tac. Alors, hop, 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 hop. Hop, hop, l'arrosoir. Non mais attends, ils me refont le même truc ? C'est une blague! Ah, mais parce que j'ai... Ouais, d'accord, ok, j'ai compris. J'ai mal poussé, en fait. Ok, on recommence. En fait, je pense qu'il faut que je le mette en... de bas vers le haut, quoi. Pour pas que ça atterrisse sur le côté. Ok, nickel. Et là, on donne un petit coup. Ah, c'était... Ouais, c'était là... Ensuite, l'arrosoir. Tac. Ah merde. Hop. On fait ça. On fait... Nickel. Oh merde. Voilà. Et du coup, là, on est bon. Voilà, parfait. Plein de citrouilles. Je pense qu'il n'y a qu'une citrouille qui dit la vérité. Les autres semblent mentir sur la direction et sur quelle citrouille dit la vérité. Oh purée, j'aime pas ces jeux. La vache, cette énigme me donne mal à la tête. Ah bah oui, tu m'étonnes, moi aussi, ouais. Ah, j'aime pas ces trucs-là. Genre, oui, alors celui qui est à ma droite, il ment. Et puis l'autre, il dit, ah bah non, celui qui est à ma gauche. Oh. On n'est pas dans la merde, hein. Bon, je casse les tombes, hein, on sait jamais. Oula, putain, il y a deux fantômes. Ça promet. Hop. 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 Et hop. Ok. Encore ? Ok, il y avait rien du tout dans les tombes en plus. Bon après au pire, on essaie trois fois et ça sera bon. Hein. Du coup Camélic, comment tu vas ?
Tu devrais aller au sud. Ah, et la citrouille juste en dessous dit la vérité. Tu devrais aller à l'est et la citrouille juste au-dessous. En dessous dit la vérité. Je vais les tuer, je pense. Bah alors là, non. Attends, on va à l'est, nique. Hein. Bah c'était pas ça. Voilà, bah c'est pas grave. Bah du coup, on va aller au nord, hein. On va aller au nord après. Hop, 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 hop. Et... Oh, ça va, oui, ok. Bon, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Bon, ça marche aussi. On a fait est, on va au nord. Bah voilà, c'était là. Ok. Ouh, oh oui, voilà ce que je cherchais. On l'a trouvé, enfin. Quoi? Bah attendez, je vais tout casser avant, hein. Dans le doute où il y a un truc cool. Un fantôme. Ok. Oh, la pelle en or! Trop bien! On a trouvé la poule aux œufs d'or. Maintenant que j'ai une belle pelle toute neuve et brillante, je n'ai plus besoin de cette vieillerie. Prends-la et donne-moi ta vieille épée d'épandage. Tu n'en auras plus besoin. Pelle, une arme puissante, on peut s'en servir pour frapper ou ouvrir des bunkers. Oh, mais trop bien! Ah ouais, il a trouvé le truc en or, quoi. Ok. Bon, bah, let's go, hein. Est-ce qu'il y a autre chose là-haut ou pas du tout? Pas du tout. Bon, bah, bisous. Bah alors, gamin, qu'est-ce que tu fiches encore ici? Te rappelles quelqu'un? Impossible, je suis la seule pomme de terre qui reste. Hein? Pat? Mon papa? Je pensais qu'il était pourri. Dans une boîte à glace? Il est encore frais? Je sais pas si je dois te croire. Tu peux lui porter ça pour moi? Ah, mais trop bien, on va lui donner. Ok, bah let's go. Alors le truc pourri par contre c'était où? Non, mais au pire de toute façon on va aller dans une autre direction. On reviendra beaucoup plus tôt. Voilà, à Bourg-Pot-au-Feu. Alors attendez, le truc pourri, je crois que c'était en haut. Bois de la Baston. Colline Caillou, c'était là. C'était Colline Caillou. Colline Caillou. Et c'était... Et c'était... C'était tout en bas, je crois. Ah, bien, Kappa. Parfait. Une caca veritas. Alors, attendez. C'est reparti. Attends, je vais juste... si ça t'embête pas, je vais juste devant le père. Voilà, nickel. Comme ça, on est bon. Alors. Prends mon petit cahier. Alors, Kappa. Mais ça ne m'étonne pas de toi, Kappa, que tu aimes cette récompense. bah du coup, faut que tu me donnes un nombre. Un nombre, alors, jusqu'à 94. Et à partir de 8. Ok. Alors, attends. On va regarder ce que c'est, si c'est une double page ou pas. 56. Ah bah très bien. Donc attends. D'accord, ok. Donc ça va faire 56-57 hein, puisque c'est il faut toute l'explication. Donc 56-57. Voilà. Alors, let's go. C'est parti. Le serpent de mer. Donc synonyme,
le bolduc, la crotte sans fin, les fettuccinés de Fekes. Les serpents de mer sont de fines crottes allongées qui ondulent sur elles-mêmes, en formant des circonvolutions de taille et d'aspects variés. Certains s'enroulent dans le sens des aiguilles d'une montre au fond de la cuvette, d'autres en sens inverse. Ils peuvent faire des zigzags ou s'arrondir comme des bretzels. Quelle que soit leur forme finale, ils donnent toujours l'impression qu'ils n'en finiront jamais d'évacuer le rectum. Ils n'apportent pas autant de satisfaction que les selles de diamètre plus conséquent. Les crottes spaghetti. Et quand votre crotte n'est pas vraiment du caca ? Si à première vue ce long filament ressemble à un excrément, il arrive que ce n'en soit pourtant pas un. En y regardant de plus près, on découvre que cet imitateur est en réalité un parasite appelé Ascaris lubricoide. Ces vers qui ressemblent à des nouilles chinoises peuvent atteindre jusqu'à 30 cm de long. Ils sont capables de vivre bien tranquillement dans l'intestin grêle pendant des années. On ne les remarque qu'au moment où ils font enfin leur sortie. Ils sont parfois, quoique rarement, responsables de carences lorsqu'ils monopolisent des éléments nutritifs essentiels. Vous avez l'impression d'en avoir un ? Vous n'êtes pas le seul. Des chercheurs ont montré qu'environ un quart de la planète en est affligée. Sympa. Et donc, la réponse du docteur Colombin. Ces fécaises tout en longueur sont souvent dues à un effort excessif lors de l'expulsion. Quand on pousse, on resserre le sphincter anal externe, la valve qui s'ouvre pour faire sortir les selles du rectum. La contraction de ce muscle réduit l'ouverture à travers laquelle va passer la masse fécale, la modelant sous cette forme serpentine. Si tout le monde produit ce type de fécaisse un jour ou l'autre, un rétrécissement constant et progressif du calibre des selles sur plusieurs mois peut révéler l'existence d'un cancer du rectum. Be careful du coup. Hein. On produit ces selles minces comme des anguilles lorsque la tumeur grossit et fait diminuer d'autant la circonférence du côlon. Donc, attention, voilà. Tout peut bien aller, mais si c'est fréquent, 1. Toujours regarder son caca. Je le dis et je le redis. Parce que il peut y avoir des vers du coup là. Et si ça dure trop longtemps, allez chez le médecin. Bien sûr, voilà. C'était le message du docteur Colombin aussi. Voilà. Eh bien, merci, Kappa. Merci. Moi, j'adore cette récompense. Et en plus, on apprend plein de choses dans ce petit bouquin. Alors, hop, voilà, retournons au jeu. Il faut juste que je trouve une petite musique, il faut que je me le note sur un post-it, faut que je trouve une petite musique d'ambiance qui serait vachement bien pour les histoires. Libre de droit, bien sûr, hein, comme d'habitude. C'est le seul truc que j'ai pas encore trouvé. Alors, ah, j'avais pas vu cette tâche de journal. J'ai caché des brownies dans le congélateur. Au moins, je sais que Matt ne risque pas de les trouver pour tous les manger avant moi. Bah ouais, mais le problème, c'est que j'ai pas envie de me faire strike, quoi. Après, bon, au pire, il coupe le son. Mais tu sais, je trouve ça un peu dommage, quoi. Oui, peut-être Pet Castor aussi, Kappa. On est dans le thème, hein. On est dans le thème. Faudrait que je trouve un truc, tu sais, qui fasse histoire. Mais qui n'est pas, qui ne soit pas Père Castor, quoi. T'as trouvé Tat, mon fils ? Sais-tu où il est ? C'est extraordinaire ! Il m'a écrit une lettre, laisse-moi la lire. Saint Champy, c'est vraiment lui. Peux-tu lui donner ça de ma part ? Merci, mon petit. Reviens quand t'auras donné cette lettre et je te récompenserai. On a que ça à foutre, en fait. Même pas avec exprès. C'était l'instinct. L'instinct inconscient. Bon, bah, du coup, on y retourne, hein ? Non, non, mais c'est bon. Merci. Alors, le chemin, je sais plus. Oh putain, c'est pas là. Oh, il y a un fantôme ! Wouah ! Oh, c'était ouf, ça ! En fait, je me dis juste, est-ce que c'est pas une famille d'humains ou autres qui sont décédés, en fait ? C'est affreux. Attendez. Ah non, c'est peut-être par là. Je vais vraiment au pif, hein. Ah, oh, je suis sortie, trop bien. J'étais pas bien. Ok, donc on retourne dans le cimetière. Ah, faut retenir les directions, par contre. On retourne dans le cimetière pour aller voir... la pomme de terre, hein. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a Pat et Tat, hein, je crois. Donc c'est Pat ou c'est Tat. Père Cacastor, ah ouais, Père Cacastor aussi. Je fais un petit remix. Mais bon, j'ai toujours pas le droit d'utiliser la musique, hein, c'est relou. Le remix, je pourrais carrément le refaire. Genre, Père Cacastor. hop.
Alors, du coup, c'était d'abord... Non, 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 mais je sais. D'abord, c'était les arbres pourris. Après, c'était à l'ouest. Après, c'était, voilà, là, il y a de l'or, enfin, du jaune. Ensuite... tac, tac. Voilà. C'était à droite. Et après... C'était au nord. Nickel. Quoi ? Il m'a écrit une lettre aussi ? Donne-la-moi. Si c'était vraiment lui, je croyais qu'il avait moisi. Merci gamin, t'es un bon petit gars, tiens. Alors, j'ai un oiseau, un vrai oiseau que tu peux mettre sur ta tête. C'est trop mimes. Je vais finir de piller cet endroit, après ça, j'irai voir Pat, mon papa. Merci de m'avoir parlé cette boîte à glace. Bah de rien, frérot. Mais en fait, c'est pour ça qu'il faut leur reparler plusieurs fois. On dirait Elden Ring, tu sais, tu parles 15 fois au mec pour avoir le fin mot du truc, quoi. Mais écoutez, voilà. Et il faut que je retourne voir Pat. Étant donné qu'il m'a dit que quand ce serait fini, il faudrait que je retourne le voir pour avoir une récompense. Peut-être un chapeau aussi encore. Qui sait ? Oh, il y en a une là, j'avais pas vu. Si ? Ces carottes disent que Cupule est ami. Je s'appelle Carotte. Je crois pas. Je suis pas sûre. Hein. Elden Ring. Alors Akira, du coup, est-ce que tu vas faire les autres après ? Est-ce que tu vas faire les Dark Souls, Bloodborne et tout ? Est-ce que ça t'a donné envie ? Au moins de tester, après, bon. Si ça te plaît pas, pas grave. Merci d'avoir donné ma lettre, mon petit. J'espère que Tad viendra voir son vieux père un de ses jours. Tiens, voilà pour toi. Ah, un chapeau de fermier. C'est quoi, un fermier ? Nickel. Je sais plus du tout où aller. Hein. Ah si, il fallait qu'on retourne voir... Ah oui, si. Il fallait qu'on aille dans la forêt. Pour... Et on a la pelle, et donc on peut soulever la... On peut soulever... Non, par où je dois aller ? Oh là là. On peut soulever la trappe. C'est là. Ça, je suis pourrie, moi. Machin, on l'a fait 15 fois. Je vais prendre des vacances. Tu m'étonnes. Ah, c'est une épreuve, hein. T'es content hein, d'y arriver, mais c'est une épreuve. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et zou. Ok, on va revoir notre pote là. Ah non, 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 c'est vrai, c'est pas le pote, il faut qu'on retourne dans la forêt de la bagarre. C'était... Là-haut. Ah merde. La pelle. Nickel. Trop bien. Mais attends, qu'est-ce que c'est que ça ? What the fuck ? Ah mais ça me tape ! Oh, j'ai plein de cœurs. Wow, c'est chelou ça. Ghostbuster ! C'est des humains en fait, mais Page de journal, à force d'être enfermée ici, je suis devenue super pâle. J'ai hâte de revoir le soleil. Teinture. Ah, yes! Teinture, ça c'est pour le coiffeur. Parfait pour teindre les feuilles et les fans, les coiffeurs se l'arrachent. Oui, c'est ça qu'elle disait tout à l'heure, la carotte, les fans. Une sacrée épreuve, oui. Après, je me lance en Jump King. Jump King? C'est une maison hantée. Ouais, c'est ça. Ou alors... Peut-être que c'est vraiment des humains, je sais pas. Hein. C'est bizarre. Ah ouais, putain, ils m'ont foutu le feu, les gars, là. Oh. Ça sert à rien, ce que j'ai fait, là. Ah bah. Ok. Ouh là 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 là. Pourquoi je sens que ça va être compliqué, ça ? Oh là ! Le monde de libération, les bombes pleuvent, nous allons arrêter ce virus. La déclaration des revenus reportée, la mobilisation générale commence.
Bah, c'est sympa, on est toujours sur un bon délire là, bonne ambiance. Jump King, tu regarderas, mais c'est un jeu de mort. D'accord. Bah, je regarde ça. J'ai très peur. Attends. Ah! Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais. J'essaye quelque chose. Oh! Oh ouais, bien! Ok, ça a propagé le feu. Super! What the fuck? Oh non, je me fais attaquer encore par des trucs là! Mais retourne-toi en fait! Oh non! Quand ça me touche, ça me fait des trucs chelous là! Mais c'est pas du jeu! Mais! Je vais mourir en fait! Purée! Faut que je me retape tout! Ah, j'avais pas lu ça! Bon, trop bien! Que faire en cas de menace nucléaire? Informez-vous, préparez-vous. Tous aux abris, restez à l'intérieur, restez connectés. Ah ouais, c'est chaud quand même. Stay inside, stay tuned. Ok. Donc c'était un abri en fait. C'est peut-être pour ça que... Ah, c'est peut-être ça le jeu. C'est peut-être pour ça que tous les légumes sont vivants. Il y a peut-être eu un truc nucléaire du coup. Ah ouais. Ceci explique cela. Ah non! Mais ça y est, ça recommence! Ok, d'accord. En fait, ça me perturbe mon sens. Ah non! Page de journal. Je m'ennuie à mourir ici. On a fait plein de provisions, mais on n'a pas pensé au reste, alors on regarde les mêmes films en boucle. Putain, ça doit être chiant, ça. Bon, après, au moins, t'es vivant, mais bon, à quel prix, hein? Ah non, hein. Je sais pas quoi faire. Faudrait que je la lance. Est-ce que je peux la lancer? Pas du tout, je peux plus lancer. Ah ok, d'accord, faut que je fasse ça. Oh, mais j'ai plus beaucoup de vie là. C'est un peu la merde là, non? C'est des plantes mutantes, ouais. Ouais, je pense. Hein. Ça me paraît très logique. Oh! Alors, cher journal, c'est encore moi, Lise. On est le jour 1105, je crois. Je pensais qu'on serait rentré depuis longtemps. J'en peux plus. T'es le seul à qui je peux parler ici, tu comprends? Matt me manque trop. J'espère que quand tout rentrera dans l'ordre, il pourra rentrer à la maison. PS, à demain, journal. Ah bah, le fameux Matt! Il disait qu'elle s'était fait punir pour lui et tout, je sais pas quoi. C'est le placard, là, qui veut ma mort? Ok. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Un peu dans la merde là. Doudoune, ça protège de tout, même des flammes. Oh, trop bien. Alors c'est pas vraiment une doudoune, je pense que c'est une protection, je sais pas quoi. On va l'utiliser ça. Oh non, 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 non. C'est chiant. Oh, non, 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 non. Pitié, 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 j'en peux plus de ces trucs. J'en peux plus de ces trucs et j'ai plus de cœur. Oh là là, attends. Oh là là. Si, je peux y aller, mais ça va être compliqué, quoi. Attendez. Non, non. Oh, oh, voilà, ça y est. Je suis arrivée au magasin dans Jump King. Tant qu'on est passé, hein. Mais c'est un jeu genre à la... Comment dire? Truc de combat, là, à l'ancienne, là, où t'avances sur des écrans et ainsi de suite, non? Que c'est ce genre-là? Oh non, ouais, c'est bon, je vais pas perdre 600 coeurs pour ça, là. Oh, purée.
Ah oui, mais du coup, moi, j'ai plus... je crains plus le feu, non? Ouais, c'est parfait, ça. Oh, purée. Oh, non! La ta nas. Ah, ça y est. Nickel. C'est un jeu de mort, t'as pas envie d'y jouer. Ah, et là, je peux transporter le feu partout. Ah, c'est beau, ça. Ah, je peux brûler les... je peux brûler les... les cartons. C'est trop bien. Pas du tout. Non, ça ne sert à rien. J'ai l'armée de patates. Oh, merde. L'armée de patates, machin, là. Et bam. Ok, ça me donne ça, je ne sais pas pourquoi. Ça met le feu, je mets le feu à quoi? Ah oui, à ça. Nickel. Prends l'épée. Ah! Page de journal. Papa est sorti du bunker la semaine dernière pour inspecter la surface. Je sais pas ce qu'il a vu, mais il n'est plus le même depuis. Ah merde. Ok. Peut-être il a vu les légumes bouger, hein. Parce qu'ils sont quand même restés 3 ans enfermés, vu qu'elle disait c'était le... 1100e jour. Ouais, c'est à peu près ça, quoi. Yes. Allumer le feu. Oula! Oh là! C'est trop beau, c'est bien fait, ça. Lise, l'humain mutant. Oh merde, non! Ah non, hein! Non! What the fuck? Oh. Oh purée, mais je vais mourir! Comment je fais? Oh là 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 là. Alors là, je suis pas dans la merde, hein, je vous le dis. Parce qu'on est sur quelqu'un quand même qui est très doué dans sa vie pour se battre. Et ça va être compliqué, là, je vous le dis. Non, mais c'est bon, on a vu. Oh, purée. Sachant que je vais perdre plein de fois, on va se le mater plein de fois, la cinématique, hein, je vous le dis. Oh, j'en peux plus. Arrose ! Arrose. Non, 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 non. Non. Le feu. Non. Putain, il le faut un coup à cette conne. Yes! Oh purée. Les trois quarts d'un cœur. Oh là là. Bon, je dis ça comme si j'avais essayé 15 fois, mais... mais c'est ça, avec le bras et tout, là. Nom de Dieu. Bon, on a réussi. Ah. Oh. Ah ouais, bah je vais pas affronter 15 milliards de mutants non plus, hein. J'ai tous mes cœurs, trop bien. Donc attends, il y a une porte, là. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah mais oui, c'est le pointeur laser. Merci Akira. Ça fait apparaître un point rouge dingue. C'est dingue. Page de journal. Moustache me manque, c'était le meilleur chat du monde. Je ne supporte plus de voir ses vieux jouets. Il adorait le pointeur laser. Oh, le pauvre. C'est triste. Et ça? Je peux pas y aller? Ah non, ils sont passés par là, mais je peux pas. Ok. Du coup, j'ai récupéré le pointeur, quoi. Je peux passer par là. Ouais, yes. C'est la tristesse, hein.
Et là, il me faut ça. Nickel. Je viens de là. Parfait. Bien. Ok, ouf. C'est plus sympa quand même, hein, comme ambiance. Hein. Donc on va rapporter le pointeur laser à Jean-Mi. Ah non, attendez, j'ai la teinture. J'ai la teinture, il fallait la porter. Attends, putain, ils étaient où? Je crois qu'il était à gauche. Avant d'aller donner le truc à au maire, on va aller là. Yes, voilà, c'est à lui qu'on devait donner la teinture. Toi là, le vilain, t'as de la teinture? Merci mon brave, je vais te remercier. Alors, il me dit le vilain, après il me dit mon brave. Faudrait savoir. Le grand Edgar va s'occuper de ta monstrueuse tignasse. Ciseaux, vaut mieux tout couper. Heureux? Évidemment, car c'est moi, le grand Edgar, qui ai réglé le problème insurmontable de tes fans. Ta coiffure était un véritable crime. C'est super. C'est fait, voilà. On n'en parle plus. Et lui? Puis Dieu, t'as trouvé une épée. Ah, c'est pas à nous de le faire de toute façon, hein. À quoi sert l'argent de nos impôts, hein? Tous pourris, hein. Sympa. Let's go. Hop. Oui, le pointeur laser. La dernière pièce de mon plan machiavélique. Tu pensais vraiment que j'allais te rendre ta serre? T'es vraiment aussi naïf que ton père. Est-ce que tu sais seulement ce qu'il y a sous cette serre? Pathétique. L'héritage des Navettino offert à cette pomme à l'eau. Hors de ma vue. Je suis sûre que même le vieux Zest ne pourra rien faire pour t'aider. Eh bah si, on va parler au vieux Zest. Salut la jeunesse. Eh bien, il est temps de te dire la vérité. Don Navettino, enfin ton père quoi, le maire Oignon et moi, on se connaît depuis longtemps. Nous faisions partie de la même organisation. Je parle de la mafia. Ton père, c'était le boss. J'étais son homme de main. Le maire Oignon était son conseiller. C'était une société chaotique. Il n'y avait aucune loi, aucun ordre. C'était le moment parfait pour prendre le pouvoir. Mais nous nous sommes disputés. Le pouvoir est monté à la tête du maire Oignon. Nous pensions que ça lui passerait. Nous ne savions pas qu'il irait aussi loin. Il a pris le pouvoir et il nous a tourné le dos. Il nous a traînés dans la boue. Il voulait ce qu'on cachait dans nos caves. Des armes, de l'argent, on avait tout. Je ne pensais pas qu'il irait jusque-là. La mort de ton père était déjà suspecte. Tu pensais qu'il avait fait tout ça juste pour ta serre? Mais non, c'est pour ce qu'il y a en dessous, mon petit. Tu dois vaincre le maire Oignon. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Tu peux utiliser ma cachette secrète derrière cet arbre. Dépêche-toi. Là, du coup? Ah oui, ok. Mafia mystérieuse, c'est génial. Waouh. Est-ce qu'il y a des trucs à lire ou pas du tout? Je crois pas. Hein. Non, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Oh! Ah, il va falloir que je mette un portail, je pense. Ok. C'est sûr. Non! Oh merde, non! Bon, attendez. Je réessaye, hein, bien sûr. Mais arrêtez, arrêtez! Arrêtez avec les portails! J'en peux plus! Bon, on va attendre sur le côté que ça se tasse. Hein. Ok, les portails ne sont plus. Donc on va remettre les portails et ensuite. On va mettre un ici. Un là, on change. Nickel. Oh purée. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ah ouais, faut que je mette ça là. Pour que quand j'active ça... Nickel. On va aller en bas. Ah, il y a une échelle, mais je sais pas du tout où aller en vrai en fait. Quel est le bon chemin? On va se faire cette salle pour voir. Ah purée, faut que je remette un portail.
Bon, c'est pas grave. Ah non, on arrête. Remets-toi là. En fait, je sais pas du tout où aller. Est-ce qu'il faut que je descende ou que j'aille là? Là, ça m'a l'air d'être la suite de l'aventure, donc on va essayer d'aller plutôt en bas. Waouh! Redescendre encore! Ah ouais, on est au B1. Alors, vous savez quoi? On va essayer de finir le B1, ça serait peut-être mieux. On finit le B1. Et après, après on fera les autres. Ok. C'est un labyrinthe. Ouais, carrément, c'est un labyrinthe de fou là. Hein. Ah, attendez. C'est pas ça que j'aurais dû faire, je pense. Absolument pas. Il fallait que je mette ça dedans. Nickel. Oh! Non, pas nickel? Oh non. Oh non, me dis pas qu'on a fait du caca. Ah si, c'est bon. Je vais attendre qu'il se désactive et je vais voir si je peux le pousser, le truc. Pas sûr sûr, hein. Je suis pas convaincue. Oh là là. Ah ouais, je suis dans la merde. Ah ouais. Ouais, mais non. Ah, excellent. Genre le tableau avec tous les mecs de la mafia. Ok, papa et moi. Ouais, donc c'est bien lui. Mon cher fils, si tu lis ceci, c'est que je suis probablement pourri depuis longtemps. Je te lègue tout, mais je crains que le maire Oignon ne cherche à se venger. Fais attention à toi et à l'héritage des Naventino. Tout est à toi maintenant. Je suis désolée de ne pas avoir été là pour voir ta deuxième fan percer, ou quand tu as porté ton premier arrosoir. Tu vas me manquer, mon fils. Tu es le plus grand criminel d'entre nous tous. Je sais que tu feras la fierté du clan Naventino. PS, détruis cette lettre. Les CRS ne doivent pas la trouver. Je t'aime, fiston. Donne Naventino. Bah, on déchire. Voilà, parfait. Ouais, ça a servi qu'on aille là, du coup. Alors, par contre, il y a aussi un truc en haut. Mais je vois pas quoi. Qu'est-ce que je peux faire, en fait? On va essayer de faire ça bien. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a les portails. Mais ça ne nous aide pas. Il faudrait... Ah, je vois, attendez. C'est un jeu FR. Tu veux dire purement français? Je pense pas. C'est plutôt anglais, hein. Ah merde. Ah oui, mais c'est très con là ce que je viens de faire. C'est très con. Ouais, est-ce qu'au bout d'un moment les portails... À un moment les portails ils se ferment. Bah ouais, je suis dans la merde là. Eh oui. Qu'est-ce que je mets là-haut? Bah moi... En fait j'aurais bien mis la plante. Mais ça reste problématique. Ah si, je sais. Je crois que je sais. Attendez. Ici. Je crois... Je crois savoir. Attendez, on va essayer de faire quelque chose de bien. C'est pas dit, hein. C'est pas dit. Mais... Mais putain! Bon. Là. Nickel. Ok. Ça, c'est fait. Et après... Faut que je la mette. Nickel. Voilà. Parfait. Ça, c'est beau. Je remonte pour aller où? Oh, maintenant je voulais aller en bas. Tu te crois malin, hein? Comment t'es arrivé ici aussi vite? Occupez-vous de lui, les radis. Ah bah non, je voulais aller en bas, moi. Oh, fais chier. Mais espèce de baba ganouche, mais qu'est-ce que c'est que cette insulte? Comment oses-tu? Très bien, tu m'as assez pressé le citron. Tu dîneras dans le monde des pourris ce soir. Mais je voulais pas! Transformation! Oh purée! Le pouvoir l'a rendu fou.
Oignon corrompu. Non. Oula. Pétage de câble, là. Oula. Oh. Ah ouais, il nous fait tous les trucs des autres boss, quoi. Aïe, 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 je suis dans la merde, là. Oula là. J'ai... Oh là là. Là, je suis grave mal, hein. Bah, il me défonce là. Il est en train de me défoncer, j'ai un cœur. Oh non! Oh, dommage! Bon, j'ai mal fait le truc. Hein. Bah, c'est pas grave, en fait. Vous savez quoi? Je repars. Et du coup, on va descendre. Comme ça, au moins... On va essayer d'explorer les autres trucs, en fait. Plutôt que d'aller voir l'oignon. Voilà, donc là, on est niveau B2. Et oui, tout était calculé, tout à fait. Ah! Lawyers to the onion, c'est quoi? Être aux petits oignons, programme du maire oignon. Et bah bam, allez, un truc de plus déchiré. Mais à quoi sert notre organisation? Ils sont tous mous de la tige et ils ne font rien pour s'enrichir. J'ai étudié les humains. Ils avaient une administration. Ça a l'air diabolique. Je vais en parler à Don. Ouais, donc ça c'est Oignon qui a écrit. Ça va bien se passer. Moyen. Ouais, là, c'est pour avoir tous les journaux et tout, je pense. C'est génial. Liste des cibles, Brad, le gang de la Saumure, le général Pépin, ma femme. Je rigole, MDR. Super. Allez, on redescend. B3. Wow. Ça peut péter. Ça peut péter, ça. Oh! What the fuck? Ouna, non! Pourquoi je sens que c'est pas la meilleure des idées? D'après nos recherches, les êtres qui peuplaient cette planète avant nous ont tous été anéantis par cet étrange objet. Nous devons le détruire pour nous protéger. Je lui ai demandé à Oignon de le faire. Il l'a jamais fait, le connard. Les carottes sont cuites. Ah bah oui, bah j'ai fait péter le monde, en fait, là, non? Oh. Ah ouais. Mais ça faisait un petit succès. Ok, bah là, on va aller battre le boss, du coup. Ça y est. Ça y est, on y retourne. Bon, elle est pas très compliquée, je pense que... J'essaie de pas passer une heure... Je pense pas qu'on passe une heure dessus. Let's go. Hop, 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 hop. Attends, j'ai bien ma pelle, là? Non, pas du tout. Voilà, là, j'ai ma pelle. Nickel. Ah, le problème, c'est quoi? Si je me mange des coups, là... Ouais, d'où l'intérêt d'avoir aussi le max de cœur, parce qu'en fait, là, on peut pas en ravoir. Donc, c'est quand même un petit peu problématique, je trouve. Alors, du coup... Bah... Voilà, très bien. Blablabla. Bla, bla. Ok. Merci, Akira. Non. Faut pas être greedy. Faut pas être greedy. Putain, bah oui, je me mens. Oh là là, là j'ai fait de la merde. J'ai tellement fait du caca. Je suis concentré, hein. On est aux trois quarts, quoi. Enfin, on est presque à la moitié, même.
Non. Yeah. Oh putain, j'ai esquivé au dernier moment. J'ai raté. Oh putain, non, je suis dedans. Oh purée. Ce dégoût de la vie. Oh non. Putain. Ah yes. Comment est-ce possible? Le fils de mon rival m'a vaincu. Peut-être cuit, mais mon administration, elle, perdurera grâce à tous les documents que tu as manqués. Que j'ai manqué. Merci Henri. Merci. Non ouais d'accord, donc je manque des documents et pour lui ça continue quoi. Alors. Acte de propriété, ce document certifie que la serre est la propriété de Petit Navet, le maire Oignon, le maire et l'administration. Et ouais. Mimes. Bed, turnip boy. You've done well. But us, we've gathered here to say farewell till next time. So you can sing along or don't. Do you? Vous chantez si vous voulez ou pas? We won't pay our taxes. We've got rent and we've got bills. There's layers to the onion and his bureaucratic thrills. All you flora, all you fauna, let us venture through the land. Take down Mayor Onion and all his thieving plans. We won't pay our taxes, we've got rent and we've got bills. There's layers to the onion and his bureaucratic thrills. All you flora, all you fauna, let us venture through the land. Take down Mayor Onion. Time peeling back those skins and you'll find out soon there are seeds with and we'll sing our hearts out loud world spring. Merci Akira, elle est grave bien la musique. Oula laisse, on voit s'il y a une petite scène et puis après voilà. Hein. Camélique. Elle est grave bien la musique. Ah, j'aime bien ça quand ils font un petit dédicace aux animaux et tout des développeurs. Trop bien. C'est beau. C'est trop bien. Alors, est-ce qu'on a une petite scénette, un petit truc ou pas? Après le générique. Ou est-ce qu'on revient au début? Parce que normalement, on peut continuer des trucs après le jeu. Alors,
Ouais, fin, point d'interrogation. Retour. Ah, on peut continuer. What? En voiture, les travaux de la gare Gaillarde sont enfin finis. Regarde dans ta boîte aux lettres, t'as reçu un ticket. Les failles dimensionnelles sont apparues dans une grotte des collines en cailloux. Tu devrais peut-être y aller. Wow! Ça ne s'arrête pas? Ma boîte aux lettres. Un mystérieux billet, je me demande à quoi il sert. Trop bien! Bon, on continue un petit peu, hein. Et du coup, c'est où la gare? Depuis que ce taré de Néronion a pris le pouvoir, c'est le bazar. Non, mais il y est plus là, si? Je veux dire, regarde-moi l'état de ce chemin. On dirait, il faudrait une épée. Non, mais on l'a en fait, l'épée, nous. Non, mais on va pas recontinuer là. Qu'est-ce qu'on fait de la gare? Eh, il est enfermé, le maire. Il est là, le maire Oignon, non? Trop tard, petit navet, tu peux plus m'atteindre. Même ta puissante pelle ne pourra pas briser ses vitres. Et puisque tu lui as volé son arrosoir, le vieux Zest ne voudra jamais t'aider. Ah, je crois que le Zest, il a l'air énervé là, non? Ou il était déjà comme ça? Dépêche-toi, mon petit, on n'a pas toute la journée. Si tu te secoues pas, je vais reprendre mon arrosoir. Oui, je sais que c'est toi qui me l'as volé. Bah, je sais pas du tout où elle est, la gare. Ah, si, il y a deux endroits. Si, il y a deux endroits où c'était la fin du jeu. Il fallait attendre la fin du jeu pour pouvoir y aller. Bah, attendons, on va y aller, hein. Parce que là, le jeu est clairement pas fini. Par là? Ouais! Ah non, c'était... Attends, c'était là ou pas? Non, c'était pas là. C'était pas là. Bah, je pense que c'est la suite, parce que tu vois, le maire Oignon, il est toujours là, et j'ai reçu des billets, des trucs et tout. Donc, je pense que c'est une petite suite, quoi. Alors, attends. Oh, merci beaucoup, Démonia, pour le raid. Merci. J'espère que vous allez bien. J'espère que ton stream s'est bien passé. Et du coup, nous, on est sur une espèce de... C'est pas vraiment un New Game Plus, c'est... Je sais pas. C'est une petite suite du jeu, parce qu'on l'a fini. Mais du coup, là, on continue, en fait. Donc, alors, attendez. On va faire... Un jour, je vais y arriver, hein, à me démerder, à faire des trucs. Hop, hop. Voilà. N'hésitez pas à aller voir Démonia et à la follow, ça vous plaît. Du coup, Loot River, alors, t'en as pensé quoi? Bah, ça va super. Chaud, mais ça va. Purée, c'était où C'était pas le cimetière. Il y avait un endroit où il nous disait... Ah, c'était là. On devait aller à la fin du jeu, ici. Voilà. Gare, c'est la gare. Oh, pourquoi je crie. Vraiment super chouette, un roguelite avec des éléments de puzzle game. D'accord, ok. Du coup, tu penses refaire une petite session? Salut, petit navet. C'est bizarre, non? L'heure n'est pas la même ici qu'ailleurs. Attends un peu, on n'est pas au même endroit que le cimetière Crénios. J'ai juste trouvé quelques papiers par terre. C'est maigre comme indice. Regarde, ça dit. Je sais pas ce que ça fait là. C'est peut-être un portail entre les dimensions, lol. C'est signé Yukon. Je me demande ce que ça veut dire. Du coup. Dak, bah, faudrait que je passe te voir. Je voulais passer te voir et puis bah après j'ai lancé mon stream. Mais la prochaine fois, faudrait que je passe te voir pour voir à quoi ça ressemble. Ou je vais regarder tardif pour voir. Petit navet, est-ce que tu as fait un tour sur la ligne de longévité? Alors reviens me voir quand tu seras monté à bord. Ah bon, on y va. Hein. Attendez. On vient de là. Boutique de Monty. Ok. En voiture, départ imminent, contrôle des billets. Eh, hey, petit navet, je vois que t'as reçu ton billet. Ici, c'est la gare Gaillarde. On l'appelle comme ça parce que cette jolie lumière ragaillardit les légumes dépressifs. Ne traîne pas, c'est l'heure de monter à bord. Active tes petites racines. En voiture, Simone. Alors, attends. Ah oui, on monte à bord par là. Ligne de longévité. Ah bah, faut aller là, hein, du coup. On n'a pas trop le choix. Oh pardon. Pourquoi là, je me tape contre des gens, là je sais pas si c'est le meilleur des délires, là. On n'a jamais eu ça. D'où ils jettent de la laine, là?
Ah non, hein. Je fais les plus faciles, hein. Après, je fais le truc qui se jette sur moi. Ah, vas-y, viens là. Roi des cochons, il a mangé un peu trop d'engrais. Mais attends, on se refait tous les boss, là, non? Je vais peut-être mourir, là, non? Est-ce que c'est une bonne idée? Je crois pas, hein. Je crois que c'est la plus mauvaise des idées, là. Dans le cul! D'accord, donc le ticket, c'est pour se retaper les boss, quoi, c'est ça? Bien joué! Je sais pas si tu l'as remarqué, mais Stra n'est pas comme les autres gamins. Il est temps que tu fasses appel à tes instincts de mafioso. Tu dois toujours être plus malin que ton adversaire. Et tu es loin d'être une flèche, donc on a du boulot. Sympa. Voilà des accessoires exclusifs pour t'aider à survivre à bord du train. Choisis judicieusement, bonne chance sur la ligne de longévité. What the fuck? Caisse de dynamite. Ah oui, c'est bien ça. Coucou! Je suis une myrtille. T'es un navet. Nous sommes dans un train. Au revoir. Ok? Oh non! Oh putain, qu'est-ce que je déteste ça! Quel coup. D'accord. Ouais, c'est juste quand je tue les ennemis, ils peuvent péter, ok. Oh non! Mais c'est infernal ces trucs! Oh non! J'ai foncé dedans. Ok. Ah, il y a des trucs... Oula! Il y a des trucs qu'on n'a jamais vus. Ça fait très peur, par contre. Non! Ok. Bon, on n'est pas trop mal niveau vie. Pomme, chapi, moisi. Elle a l'air, je sais pas quoi. Oh non. Oh putain. Oh non! Oh putain, je me suis pris 15 trucs dans la tronche. Bon, on va mourir, hein, comme ça ira plus vite. Voilà. Faudrait des cœurs. Voilà, regarde-moi ça. Des coups dans la tronchette, là. Après, si on récupère tous nos cœurs, ça peut le faire, mais je pense que c'est mal barré. Hein. Ok. Il y a encore le mec. Bien joué. On dit que les chats ont 9 vies, mais ce n'est pas le cas sur la ligne de longévité. Merde, c'est drôle. Élimine un ennemi, vous redonne des cœurs. Oui. Ah oui. Ah, attends. Non, il y avait la meuf. Putain. Le seum. J'ai pas forcément des cœurs tout le temps. Hein. Oh. Arrêtez, arrêtez de vous jeter vers moi. Oh là là. Ok. J'ai pas de cœur là. Allez, fight, mais c'est... je pense qu'on va mourir très vite là. Hein. Parce que comme ils peuvent péter, c'est chaud. Merde, très con. Non. Non. Ok, ouais, on a récupéré un cœur, quoi. Oh purée, la nature peut être cruelle, ouais, le cerf. Oh là là. Le shit. Voilà. Oh purée! Mais après, quand on va sur le mec oignon, là, c'est grave mort en fait, on va pas y arriver. Oh là là, bien joué! J'espère que c'était pas le papa de Bambi. Ah, je l'ai faite tout à l'heure, celle-là. T'es parfait dans le rôle du méchant chasseur. Sympa. Allez, le prochain wagon t'attend. On peut lui parler, hein. Oh, petit navet! Un bisou sucré de votre remettre sur pied, on a rien de temps. Et bah voilà, purée, tout à l'heure, j'aurais pu faire ça et je l'ai pas fait. Ça me fait aller vite, 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 ok? Toucher un ennemi pour lui mettre le feu. Oh, trop bien!
Il peut encaisser les dégâts à votre place. Et oui, le shit. Hey, gamin! T'as remporté haut la fan les défis du train. Tu dois donc affronter le conducteur. Tu es le boss final. Ou peut-être ne suis-je que le commencement. Allez, on va bien se marrer. Montre-moi ce que t'as dans le noyau, petit navet. L'oignon sur rail vous provoque en duel. Oh purée. Oh, mais dégage! Voilà là! Oh, mais c'est Naruto l'autre! Oh! Oh! Mais il est fou! Ah, le connard! Mais je peux jamais le toucher, ce connard! Oh! Je lui ai mis le feu! Je lui ai mis le feu! Yes! Oula! C'est mal barré, là. Putain! Non! Non! Connard! Oui! Oula, non! Putain. Oh non! Tristesse! Ok, d'accord, j'ai compris le train. Ah, et du coup, il y a la boutique. Ah, et avec la boutique, on va acheter les chapeaux. D'accord, avec les tickets, pardon. On peut acheter les chapeaux dans la boutique. Ok. Coucou, Fulco, comment tu vas? Alors, on va juste aller voir un autre truc. Après, je pense qu'on va arrêter. Hein, parce qu'après, c'est juste pour... C'est juste pour faire le 100%, je pense. C'était là. Voilà. Oui, il disait qu'il y avait des portails, je sais pas quoi, dans la grotte. Et il nous disait que le chien allait partir. What the fuck? Oh, que c'est ça? Je l'ai tapé direct. Miaou, bonjour, rue Tabaga sur Pat. J'ai la capacité de voir tous les artefacts que tu as laissés derrière toi à travers les dimensions. Si tu cherches à emprunter la voie de la sagesse, n'hésite pas à venir me parler. Oh, c'est trop bien! Trouve un document près d'une sandwicherie. Ah, pour avoir le 100%. Alors attendez, parce que... Eh ben ça va super, ça va super. Oh oui, les chats d'Elden Ring, mon dieu. Quelle hantise. Ça et le truc où t'as les chariots, là, avec les pics. La sandwicherie. Sandwicherie, je crois que c'est par là. Ouais, non, c'est plus. Si, c'est là. Un document près d'une sandwicherie. Dans la poubelle? Oh, les salauds. Oh là là, ok. Ok, un sandwich. Hein, ok, d'accord. Ah, trop bien. Et du coup, là, on peut voir, en fait, les documents qui nous restent. Il nous en manque 1, 2, 3. Ah, il nous en manque 3. Bah, vous savez quoi? On fait les 3, puis on voit si ça change quelque chose. Vu que le roi Oignon nous a dit oui, comme il te reste des documents, t'as pas... Enfin, mon administration, elle est encore sur pied. Ça vaut le coup, hein? On va voir. Parce qu'après, le reste, c'est du cosmétique, c'est pour les chapeaux, donc on s'en fiche. Alors, où est l'autre? Ouais, dis-moi. Trouve un logiciel de poivron. Quoi? Ah, près des PC? Oh, ils sont ouf! Ok, ça marche, Akira. Eh ben, merci beaucoup. Finalement, j'ai dit navet. Merci beaucoup, en tout cas, pour bah, d'être passé et tout. C'était super cool. Bonne soirée à toi et puis des bisous. Un PC, un logiciel. Ah, peut-être chez la scientifique. Un logiciel potiron. Poivron, c'est pas potiron, poivron. Un logiciel poivron. Est-ce que je peux trouver ça? Ouais, près des PC, mais le problème, c'est qu'il y a plein d'endroits où il y avait des PC. Et ça, c'est plutôt embêtant.
On y allait là? Ah, ok. Voilà, nickel. Timothée! Ah, il cherche le petit? Ah, il cherche le petit, il cherche le petit. Attends, faut que je vois comment je vais faire péter ça. Ah oui, alors déjà. Pas de cherchage de filles. Ah, je me suis retenue, Akira. J'ai dit, allez, on va essayer de parler français. Et bon cherchage de filles, Akira. Comment je fais péter ça? Faut que je le mette vers, sur un portail. Pas du tout. Alors, oui. Oui, mais non. Faut que je fasse moi-même mes portails, je pense. Bisous, Akira. Faut que je fasse moi-même. Bah là, du coup, non. Non ! J'ai raté ! Mais non ! Raté. Ah bah non, je suis con. Ah, je sais. Je sais, je sais, je sais, je sais. Bah non. Non. Mais non, arrêtez. Le premier, il est là. Le premier. Il est ici. Et le deuxième, il est là. Yes. Pas du tout ce que je voulais faire. Ah super, mais du coup, il recherche le petit. Il recherche un petit, mais on sait pas où. Ok, Timothée, Timothée. Ok. Est-ce qu'on va retrouver un Timothée là-dedans? Je sais pas. On n'y était pas allé là, du coup. Bon, c'est cool. Par contre... Elle est où, la scientifique? Ah, je crois qu'elle est par là. Ouais, je crois qu'elle est par là. Oui, exact. Là, c'est sous la falaise, voilà. Et là, c'est la scientifique. Parce qu'un logiciel poivron... Sinon, ça va être compliqué, ouais. Je sais même pas si c'est ça. Même pas, non. Je pense... Honnêtement... Je pense que ça doit être dans un... Oh, c'était où l'espèce de salle de classe Je pense que ce serait la salle de classe de tout à l'heure. Logiciel poivron. C'est sûr que c'est pas... où est-ce que c'était? Non, c'est pas là. Où est-ce que c'était ça? On a l'espèce de truc de bouffe et on a une ancienne salle de classe. Parce que là-bas, on a plein de grottes. C'est pas du tout, c'était... C'est pas dans le cimetière. Ah, c'était dans les escaliers qu'on avait pris, je crois. Peut-être que là, il y aurait des anciens PC. Aïe! Est-ce que c'était pas là? Franchement, je vois pas du tout. Logiciel poivron. On essaie de chercher vite fait, mais bon. Ah, c'est vrai que s'il y a une autre fin avec ça, ça pourrait être cool, quoi. Logiciel poivron. Peut-être là. Hein. Non, je voulais pas du tout ressortir. Où est-ce que ça peut être? Je sais pas s'il y avait des PC et tout là. Non. Ça se tente, hein? Non.
Pas du tout. Est-ce que moi je verrais ça comme ça, logiciel poivron. Je vois ça comme c'est sur un PC. Ah, et là il y avait des PC. C'est là, non? Non. Logiciel poivron. Hop, on fout le feu. Non, sur le côté, il n'y a rien. Il y a une porte là, hein. C'est peut-être bizarre. Ouais, non, on peut rien faire sur cette porte et je crois qu'après là on sort, non? Ah, mais c'est pas le fameux chat là qui nous dit je peux voir. Je peux voir le futur, je sais pas quoi. Attendez, au pire, je vais regarder. Je vais regarder parce que peut-être qu'on a une autre fin ou un petit dialogue. Alors. On va voir si on arrive à trouver. Ah, alors attendez, qu'est-ce qui nous manque? On va regarder. Nous, on a jusque autographe de la reine du 9-3. Entre ça et comment remplir sa déclaration, on ne l'a pas. Ah bah super, c'est pas dans l'ordre, c'est génial. Attendez, je me soucie pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? N'importe quoi. On est sur un guide pourri, hein. Alors, attendez. On va essayer de chercher un meilleur truc. Ouais. Ah! Document. Ah, voilà. Donc, nous... Belge. Ah, purée! C'était pas du tout là. En fait, il faut qu'on retourne... Il faut qu'on retourne voir le mec qui nous a filé le sandwich. Et en fait, il nous file un... Il nous file un... Un document. Tout simplement. C'est ça qui nous manque. Merde, je crois que c'était par là qu'on... C'est là d'où on venait. Yes, hop. Hop. Ok. Le mec au sandwich. Alors, c'était pas du tout là. C'était... C'était sûr que j'allais me faire toucher. Ouais, c'était tout à gauche. Hop. Hop. Ah, trop bien des cœurs. Let's go. Merci beaucoup. Puisque tu m'as donné un coup de main, je vais te rendre l'appareil. Voilà un livre qui devrait te changer la vie. Ah bah oui, comment faire ses impôts? Payez vos impôts comme un pro, compta pour les légumes. Calcule vos impôts, vive les impôts. Impôts. Putain. Insérez ce disque et vous pourrez calculer vos impôts en une petite heure. Ça c'est trouvé. Cool. Après, il nous manque quoi? Il nous manque... Après, le télégramme de l'armée. Alors attendez. Army Telegram. Ah 1-1-1, Roten 4. The Lost 4. Ancran. Southwest.
Ah, dans le petit jardin comme ça? Ah, mais oui! Il faut qu'on aille parler aux petits chats, là. Il y avait des petits chats dans un jardin. Bah, je crois que c'est tout au début, hein. Je crois que c'est là. Ouais, je crois que c'est là. Béni soit les champis, c'est ma petite pomme. Mais oui, c'est vrai, on l'avait retrouvée. Dans la forêt, j'ai trouvé un livre appelé Manga. J'ai essayé de refaire les mêmes dessins. J'espère que ça va te plaire. Je suis plus toute jeune, mais je dessine des trucs trop choupis. Oh, trop mims. Turnip-chan. Navet-chan, citoyen vertueux. Pas mal. Et donc, du coup, il nous manque quoi? Il nous en manque encore un, c'est tout, hein? Voilà, il nous manque après le journal de Lise. Ta 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 ta, il nous manque Basic English, nanan. Ah! Ok, faut qu'on retourne dans la base de la mafia. Bah, on est au bon endroit en plus. Tu n'aimes pas mon dessin? La base de la mafia, bah, c'était derrière l'arbre, hein. Voilà, nickel. Alors, normalement, c'est censé ne pas être très loin du début. Je crois que c'est au premier étage. Alors on va voir où c'est. C'est là. Ah c'est là, putain, putain, c'est le seul endroit où on n'est pas allé. Légumes sachant écrire nous très fort, ok? Ah génial, bon, on a tout trouvé. L'anglais pour l'ENA, spécial impôt. Maintenant vous avez déchiré tous les documents possibles et inimaginables, pourquoi ne pas retourner affronter le maire Oignon? Parfait, ok d'accord, let's go. Une vraie fin je pense, puisque là il peut pas nous dire qu'on n'a pas tous les documents. Ça va? Il nous en manquait que 3. Franchement c'est cool hein, on a bien... bien cherché, tac. 3 ou 4, je sais plus. Attends, c'était par là je crois. Ouais, c'était là. Yeah! Comment t'es arrivé aussi vite? Allez, hop là. Ah d'accord, on se la refait, quoi. En plus, j'ai un cœur en plus. Donc normalement, je connais sa technique. Et j'ai un cœur. Bien. Oula. Par contre, c'est pas bon ce que je fais, là. Oula. Mais je me fais éclataxe en fait là. Allez, on y arrive, on se concentre. J'avais pas tous mes cœurs aussi. Voilà. Putain. J'esquive pas au bon moment. Ah oh bah quel con, bah oui, bah ça c'est évident. Hop là. Pas mal, pas mal comme... comme tentative. Ok, nickel. Parfait. Ouais, je me suis pris un petit dégât, je crois. Yeah! Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant qu'on a tout détruit? Ah, tu crois que t'as gagné? Tu penses que tu m'as vaincu? Tu crois que j'avais pas remarqué que t'avais déchiré tous les documents de mon administration? Mais j'ai encore un tour dans mon sac. Tu n'as rien vu dans ma base souterraine? Oui, l'arme nucléaire, la bombe que ton père voulait que je désactive. Ton père était un panais paralytique. Il pensait que c'était une arme trop dangereuse qu'on devait la détruire, je pense. Il fallait la détruire. Mais puisqu'il mange les pissenlits par la racine, devine quoi? Boum, bébé. D'accord. Alors, Ah non, j'ai eu peur que ça ait bugué. Tinavet! Tinavet, réveille-toi vite! Wow! Oh, il a tout détruit!
Réveille-toi, petit navet. Je pense qu'on est parti dans l'espace. What the fuck? Oignon divin est devenu dieu des dettes. Petit navet, j'ai évolué. Je suis devenue une force immortelle, bien plus puissante que les champis géants du passé. Je vais imposer le monde entier, non l'univers. Je vais accabler la galaxie d'impôts. Au revoir, petit navet. Tu vas mourir. Oh, champi, c'est quoi ce truc? Petit navet, va trouver le reste des agents des CRS. Je suis coincée ici, ils sont notre seule chance. Waouh, mais voilà la fin. PV du boss m'attend. Bon, moi j'y vais, il va me défoncer. Il va me jeter des trucs de temps en temps. Oh putain! Non! Mais arrêtez! Oh, par les champis, petit navet, qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez aidé le maire Oignon à devenir monstrueux. Je dois faire quelque chose d'héroïque, quelque chose de vraiment classe. Vite, balance-moi une boum boum, je peux la lancer sur lui. Rappelle-toi, petit navet, on peut tromper mille fois une personne? Désolé, je me souviens jamais de la bonne réplique. Ah non, ouais! Mais je vais canner! Comment je fais? Bah oui, mais je suis un peu coincée là en fait. C'est bon là? Oh purée, je suis dans la merde. Oh non! Putain, il vomit dessus l'enculé quoi. Bon, j'ai eu des cœurs. Oh non! Oh bâtard! Les carottes sont cuites. Bon, heureusement, on reprend là, avec toute ma vie en plus, donc c'est cool. Ah ouais, il y a une putain de deuxième fin en fait. Oui, d'accord, j'ai évolué, blablabla. Ok. Bon, maintenant j'ai à peu près compris. Ça veut pas dire que je vais y arriver, mais j'ai à peu près compris. Blablabla. Envoie-moi une boum boum. Ok. C'est bon? Ah non, hein! Oh non! Oh, faut que je calcule bien le bon moment, putain! Oh non! Yes! Ah non, hein! Y'a plein de cœurs, trop bien. Allumez le feu, putain de merde. Ça servait à ça? Ça sert à quoi? C'est quoi? C'est une bombe. Ok. Ah oui. Ah la merde! C'est pas grave, j'ai plein de cœurs. Avec la petite musique. Ah non, hein! Boum! Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Hop. Oh non! Non! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pas grave. Oh, non! Putain! S'il te plaît, meurs pas! Je suis grave dans la merde, attends. Il y avait des cœurs là-bas, je vais peut-être les prendre. Ok, j'ai presque tous mes cœurs, non, pas tout fait du tout. Il va vomir! C'est bon. Oh là là. Cette merde internationale. Non. Oh purée. Ok, j'ai fait pareil, donne-moi boum boum, ok. Oh non, j'ai raté. Non.
Il faut faire quoi? J'ai plus assez de... J'ai plus assez... Il y a des cœurs là-bas, attendez. Doucement. Ah, il y a machin qui est là. Ouais, mais il me faut des cœurs, frérot, parce que là, c'est la merde. Voilà. On va pas être greedy, on va pas se faire tous les cœurs, mais il m'en faut un peu. Ok, toi, me voilà enfin sorti de la serre. J'ai vu que Brad et Vladimir ont fait pareil. On dirait bien que notre ennemi est affaibli, mais ne compte pas sur mon sacrifice. Tu peux t'en sortir tout seul. Je te défends de me jeter une boum boum. Je vais lui en jeter une, il est fou, lui. Et bam! Il est fou, celui-ci. Wouah! Mais là, on est mort, on part dans l'espace, en fait, c'est horrible. Ah non, on réatterrit sur Terre, ok. Wouah! Merci, Henri. Là, c'est bon. Ah là, là, le jeu est définitivement fini. Enfin, après, je peux récupérer les chapeaux, mais... Flemme. Eh ben, c'était super sympa comme petit jeu, c'était vachement drôle. Ouais, on a mis 3h30 à peu près, franchement c'est cool. C'était super sympa comme découverte. Bah j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, moi je me suis bien marrée. Voilà. Je me suis bien marrée. Alors, on va faire un petit raid. Essayer de faire un petit raid. Du coup... Bah, en tout cas, c'était une très bonne découverte, c'était très drôle. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas et que c'est pas, bah, que vous ne suivez pas encore la chaîne, n'hésitez pas à la follow. Comme ça, vous serez au courant des prochains streams. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter ou sur le Discord pour le planning. Nous, on se retrouve certainement mardi avec encore une semaine plein de découvertes et de... pleine de découvertes, pardon, et de jeux rétro. Et bah voilà, bah, moi je vous fais des bisous. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Et on va lancer le raid. Alors, vers Gavark, qui est sur Freelancer. Voilà. Let's go. Des bisous à tous.